et bienvenue dans ce hot tech. Ce hot tech du mercredi 28 août, c'est ça, c'est la bonne date. 28 août 2024, il est 18h, passé de 7 minutes, et nous allons cette semaine résumer, comme chaque semaine, ensemble, l'actualité de la tech, du hardware et des jeux vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je me permets de vous rappeler que cette émission, ainsi que tous les streams qui vont autour, ainsi que toutes les vidéos qui vont avec, si vous êtes sur YouTube, sont entièrement financées par votre générosité. Ce qui veut dire que vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant à la chaîne Twitch. Ça, vous connaissez déjà le principe, il n'y a pas besoin de le rappeler. Je vous rappelle qu'il y a également un Patreon sur lequel vous pouvez m'apporter votre soutien via un abonnement à prix unique et un Ko-fi, une page Ko-fi sur laquelle vous pouvez faire un don qui peut être un don ponctuel du montant que vous voulez à partir de 1€ ou un don récurrent qui sera prélevé tous les mois sur le même modèle que Patreon. Là-bas, vous pouvez payer au choix via PayPal ou par carte bleue. Si vous préférez, il n'y a aucune obligation. Évidemment, les contenus restent toujours accessibles gratuitement pour tout le monde. C'est vraiment du soutien dans tous les cas. Merci d'avance pour votre générosité. Je rappelle également que vous pouvez soutenir gratuitement la chaîne par des follow, par en parler autour de vous, transmettre les liens à vos potes, dire « Hey, y a un gars là-bas, il parle de hardware et de jeux vidéo. Bon, il est mauvais, mais il est rigolo. Enfin, il fait ce qu'il peut, en tout cas. » Donc voilà, dans tous les cas, merci beaucoup. Je ne vous embête pas plus longtemps avec ça. On va commencer l'actualité de la semaine. Et on va commencer en parlant d'IA. Parce que au moins on évacue le sujet. Toutes les semaines ces derniers temps, on parle d'intelligence artificielle. Je crois que cette semaine, c'est la seule news qui parle d'IA. Donc du coup, on va commencer par ça. Comme ça, bim, le sujet, il est évacué. Et on va commencer en parlant d'IA. Et on va commencer en parlant plus précisément d'une étude publiée cette semaine concernant les intelligences artificielles et qui conclut, ça va probablement vous surprendre. Attention, asseyez-vous bien dans votre chaise parce que la news est dure. La news est dure, mais l'étude conclut qu'elle prédit en tout cas que près de 80% des startups qui se sont dernièrement lancées avec pour but de créer des IA et des services à base d'IA se dirigeraient tout droit vers la faillite. Voilà, l'étude publiée par Rand Corporation estime qu'on est dans une situation de bulle, effectivement, et que l'écrasante majorité des startups qui se sont créées autour de cet intérêt grandissant pour les intelligences artificielles vont finir tôt ou tard, plutôt tôt que tard, selon eux, par faire faillite. En réalité, Rand Corporation a interrogé pas mal d'analystes de l'industrie, pas mal d'ingénieurs et de ce qu'on appelle des data scientists qui ont donné leur avis sur la question et qui ont analysé un petit peu le marché, à quoi il ressemble, comment il évolue, pour essayer de déterminer comment il va progresser, en tout cas, ce qui les a conduits justement à penser que l'écrasante majorité des startups qui se sont lancées dans ce domaine vont disparaître dans les prochains mois, probablement. En réalité, les analystes qui ont été consultés sur le sujet expliquent que la principale raison pour laquelle cette bulle a l'air d'être sur le point d'éclater, c'est parce que il semble y avoir un gros décalage entre ce que les investisseurs sont les gens qui voilà signent des gros chèques aux startups qui se lancent dans l'IA avec pour l'objectif de récupérer derrière un éventuel retour sur investissement une fois que la startup aura explosé, sera devenue hyper populaire et gagnera beaucoup d'argent. Il y a un décalage entre ce que les investisseurs espèrent des IA et ce que les IA sont actuellement réellement capables de faire. Ils estiment que c'est un décalage qui est énormément nourri par Hollywood. Si vous avez vu des films comme Her, comme Terminator, comme je sais pas, Ex Machina, etc., où on voit des robots, on voit des IA, on voit des intelligences artificielles qui sont particulièrement développées, capables de créer des relations, des discussions avec des humains, de tomber amoureux parfois, etc. Enfin, on a vu plein de films qui parlaient de ça. Et apparemment, il y a beaucoup d'investisseurs qui balancent de l'argent dans ces technologies en s'imaginant que c'est ça le futur et que c'est ça la réalité et qui
retombe un peu plus tard sur Terre en disant « Non, mais la start-up dans laquelle vous avez investi plusieurs millions de dollars en espérant recréer l'IA de Heure, en réalité, c'est juste un chatbot qui répond avec une boucle if-then et c'est absolument pas ce que vous imaginiez au départ. » Donc, il risque d'y avoir une prise de conscience prochainement de ces fameux investisseurs qui vont se rendre compte qu'en réalité, ils n'ont pas du tout investi dans les futurs Terminator, mais juste dans des chatbots qui répondent parfois à côté de la plaque et qui savent pas compter, et qui, ben, du coup, vont finir par retirer leurs billes. D'un côté, les investisseurs vont retirer leurs billes, de l'autre côté, les potentiels clients vont se rendre compte que c'est absolument pas ce qu'on s'imaginait au départ non plus, et vont arrêter de payer pour ces services, ce qui va conduire à un grand nombre de faillites pour un grand nombre de startups. C'est souvent comme ça hein, que les bulles éclatent. En général, on se rappelle de la bulle Internet du tout début des années 2000. On est un petit peu dans le même genre de situation. Donc voilà, ça donne notamment ce genre de décalage entre les attentes et la réalité, donne ben, un nombre grandissant de projets qui manquent généralement de ressources, qui manquent de temps aussi pour réaliser ce qu'on leur demande. Du coup, voilà, ça cause aussi une impatience hein, du côté des investisseurs qui disent comment ça se fait. Je vous ai filé 20 milliards de 20 milliards. Bon, j'exagère, mais je vous ai filé, on va dire, 200 millions de dollars pour développer une IA. Et 6 mois plus tard, j'ai toujours pas mon robot qui est capable de jouer au foot et j'ai toujours pas ce genre de choses. Et c'est là qu'ils comprennent que non, mais en réalité, on crée des modèles, on crée des trucs comme ça, mais ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande beaucoup de travail. Je sais pas ce qui s'est passé. Mon CPU vient de passer à 14 000% d'utilisation sur OBS et il est revenu à un modèle. C'est bon, ça a pas coupé, ça a pas lagué. Non, tout va bien. Bref. Donc voilà, la prise de conscience de la réalité est sur le point d'arriver et risque de faire très très mal en réalité pour l'industrie un petit peu naissante des IA. Les analystes qui se sont intéressés à ce sujet dans cette étude notent également qu'il y a énormément de projets qui ont été créés autour de l'intégration d'une IA. Alors que ces projets-là n'en avaient pas nécessairement besoin. Le fait d'avoir un programme qui tourne à la base, qui tourne sur une IA, le rend automatiquement plus intéressant pour des investisseurs, mais ne le rend pas automatiquement plus intéressant d'un point de vue pratique. Donc il y a beaucoup de projets qui se sont lancés avec des IA dedans sans que ça apporte nécessairement de valeur ajoutée. Et ça aussi, c'est quelque chose qui risque de plomber un petit peu la chose, plomber les investissements, plomber l'intérêt du public aussi en leur disant « Vous nous avez sorti des outils avec des IA partout, ça avait l'air super cool, mais en réalité, c'est pas vraiment plus intéressant que ce qu'on avait avant. » Et au moment où les gens vont s'en rendre compte, ils commencent hein, déjà à s'en rendre compte. Hein. Si vous avez suivi l'actualité de Microsoft notamment et de l'intégration de Copilot dans Windows 11, vous avez déjà vu que certes, bon, maintenant il y a des IA dans Windows, c'est rigolo, mais ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. On a vu même Microsoft devoir retirer certains produits comme Recall, dont on avait déjà pas mal parlé, qui consiste à prendre des captures régulièrement de votre système d'exploitation, de ce qu'il affiche, et à utiliser des IA pour décrire ce qui se trouve dans les captures. Comme ça, plus tard, vous pouvez demander à Recall, tiens, qu'est-ce que je faisais le 12 juillet 2024 à 14h15, et il va pouvoir vous sortir exactement la capture avec tout ce qu'il y a dedans, en vous disant, bah, vous étiez sur Amazon, vous regardiez des chaussures par exemple. Cette fonction-là a créé un assez gros backlash, notamment en ce qui concerne les questions de vie privée, ce qui a poussé Microsoft à repousser le lancement de cette fonction en particulier. Et du coup, l'arrivée des IA chez Microsoft, elle s'est pas passée de manière aussi lisse et aussi belle que ce qu'ils imaginaient au départ, et c'est pas les seuls. On a vu Google, par exemple, aux États-Unis. Pour l'instant, on n'a pas encore ce service en France, mais les Américains qui utilisent Google ont, depuis quelques semaines, un nouveau panneau qui s'affiche quand ils font des recherches dans Google qui s'appelle AI Overview et qui est en gros un résumé des résultats de recherche par IA. Le problème, c'est que ce truc ne fonctionne absolument pas comme prévu et on a vu plein d'exemples hein, de gens qui demandaient comment faire pour que la sauce sur ma pâte à pizza ou que les ingrédients de ma pizza ne glissent pas quand je prépare une pizza et que je la découpe. Et Google recommandait de foutre de la colle néoprène dans sa pizza pour pouvoir coller
les ingrédients pour pas qu'ils glissent quand vous prenez votre part de pizza et qu'ils retombent dans le carton. Donc c'est pas exactement encore tout à fait au point ce truc, mais voilà, ils lancent quand même des produits qui sont pas prêts, juste pour dire bon ben voilà, on a des IA, on est dans le futur, maintenant on va voir si ça marche et on va voir ce qu'on en fait quoi. On en est un petit peu là à ce niveau-là. On a vu aussi également en Chine, on sait que ça fait déjà un moment que la Chine, les industriels chinois s'intéressent énormément aux IA, ont investi des milliards et des milliards de dollars dans du matériel, dans des logiciels, dans tout ce qu'il faut pour faire tourner des IA. On ne sait pas vraiment dans quel but. Et d'ailleurs, les États-Unis, le gouvernement américain s'était inquiété de ça en se disant qu'ils allaient poser un embargo sur l'exportation des machines d'entraînement d'IA vers la Chine parce qu'ils ont peur que le gouvernement chinois entraîne des IA à des fins militaires, justement. Donc, il y a quand même un gros sujet là-dessus. Et il se trouve que même en Chine, cet intérêt un petit peu démesuré pour les IA en Chine est critiqué hein, par des industriels chinois. On a vu le PDG de Baidu en Chine. Baidu, c'est un gros réseau social, un gros réseau à tout faire, hein, un petit peu en Chine. Le PDG de Baidu avait déjà critiqué il y a quelques semaines en Chine le trop grand nombre de LLM. Parce que les LLM, c'est des Large Language Models. Ce sont en gros les modèles hein, d'IA qui font tourner derrière les chatbots, les trucs de prédiction, les générations d'images et compagnie. Ils trouvent qu'il y a beaucoup trop de LLM qui sont créés en Chine à l'heure actuelle et que ça conduit à une énorme consommation d'énergie et de ressources pour créer des produits qui n'ont pour l'instant aucune application pratique dans le monde réel. Et le PDG de Baidu lui-même avait déjà prédit qu'on allait droit dans le mur avec ce genre de truc, parce qu'on voit plein d'entreprises qui créent des produits qui n'ont aucun usage. Et voilà, on est dans une situation où il y a une énorme offre. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de demande et pour l'instant, il n'y a même pas vraiment d'usage à ce niveau-là. Et on est dans une situation où les industriels créent le produit et essaient derrière de lui trouver un usage. C'est généralement pas la bonne manière d'approcher un nouveau marché. C'était ce qui s'était passé pour la blockchain, exactement. Hein. Bien sûr, on a créé le produit et après, on s'est demandé ce qu'on allait en faire. Ce qui fait que 15 ans plus tard, la blockchain, il n'y a toujours personne qui a vraiment trouvé d'usage pérenne et durable et intéressant pour les gens, quoi. On est un peu dans cette situation-là avec l'IA, sauf que là, on en est un peu plus au début. Et il y a déjà des gens qui tirent la sonnette d'alarme pour dire on est en train de recréer effectivement la blockchain, quoi. On est en train de recréer un service qui, certes, existe. Hein, ok, la techno, elle est là, mais on ne sait toujours pas quoi en faire réellement, quoi. Donc voilà. Il devrait, et ça, disons, ça correspond à ce que j'avais déjà dit sur cette chaîne, mais à ce que n'importe qui voit un petit peu comment le marché évolue et qui a déjà suivi ce genre de choses avec les blockchains, justement, avait déjà prédit, qui est qu'il y a beaucoup d'investissements, il y a des milliards et des milliards qui sont balancés dans le service. Nvidia est aujourd'hui l'entreprise la plus valorisée au monde grâce à leurs machines d'entraînement d'IA qui vendent à absolument tout le monde. Mais voilà, tout ça, c'est, je dirais pas sur du vent, parce qu'il y a des produits qui sortent. Mais ces produits-là n'ont pour l'instant aucune véritable application, aucun usage concret, si ce n'est des chatbots qui vous racontent un petit peu n'importe quoi. Il y a Idriss Elbot dans le chat, vous pouvez lui demander comment il va, et il va vous répondre une réponse complètement générique. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui avec les IA. C'est pas exactement la révolution que certaines startups nous avaient promis, en tout cas. Et pour le coup, la révolution elle-même, elle a pas encore vraiment l'air sur le point d'arriver. Les IA s'améliorent, bien sûr, font de plus en plus de choses de mieux en mieux, mais de là à trouver une vraie application qui puisse apporter quelque chose à une industrie, aux gens de manière générale, et qui soit vraiment acceptée, vraiment intéressante, on n'y est pas encore tout à fait. Donc, il risque d'y avoir un gros écrémage, près de 80% des entreprises qui bossent là-dedans, en tout cas, sur le marché dans les mois qui viennent. En reco d'image, il y a pas mal de trucs. Oui, il y a des tentatives d'usage qui sont plus ou moins intéressants. Moi, un outil que j'utilise pas mal, notamment pour le taf, c'est DeepL. DeepL, c'est un outil de traduction en ligne qui utilise des IA, hein, pour le coup, et qui fonctionne plutôt bien. Et que c'est un des produits qui fonctionne le mieux pour traduire des langues qui sont pas, qui utilisent pas l'alphabet romain, typiquement du japonais, du chinois, du russe, des trucs comme ça, pour traduire ce genre de langue vers du français, par exemple. DeepL fonctionne
infiniment mieux que Google Translate, que la plupart des autres. Donc j'utilise pas mal DeepL pour ce genre de choses. Ça, c'est un exemple d'utilisation d'IA qui est plutôt bon et qui fonctionne assez bien. Il y a d'autres usages, on en avait parlé, mais on en voit déjà à l'heure actuelle le DLSS, par exemple. Le DLSS est un cas d'usage des IA qui est vraiment intéressant. Mais c'est justement ça qui fait que NVIDIA est aujourd'hui une entreprise extrêmement bien valorisée grâce aux IA. C'est parce que non seulement ils ont la production d'IA, ils fabriquent hein, les machines d'entraînement qui sont utilisées par tous les autres, donc ça déjà rien que ça les a rendus riches, mais ils ont aussi trouvé un usage auprès du grand public qui soit vraiment intéressant avec le DLSS. C'est pas le cas de tout le monde et c'est un petit peu là-dedans que patauge la plupart des startups qui se lancent dans le projet, c'est que la plupart des startups qui vont acheter des machines d'entraînement plusieurs dizaines de milliers d'euros, parfois plusieurs centaines de milliers d'euros pour créer leur propre modèle, vont se retrouver derrière à sortir un clone de ChatGPT, quoi. Ou un clone de Midjourney. Et on a déjà ChatGPT et Midjourney, en fait. On n'a pas besoin d'un nouveau clone qui va pas nécessairement fonctionner mieux, qui va pas... C'est ça aussi le souci, quoi. C'est derrière, qu'est-ce que tu fais de ton IA ? Mais il y a déjà, évidemment, des cas d'usage qui existent. Mais c'est précisément de ça, je pense, que parle l'étude. Quand elle explique que 80% des startups vont se planter, les 20% qui vont rester, justement, ça va être les NVIDIA qui ont créé des LSS, ça va être les DeepL qui ont créé un très bon outil de traduction, ça va être les ChatGPT, ça va être les trucs comme ça. Tous les autres qui ont essayé de cloner ces services en se disant « bon, y a de la thune à se faire, donc on va se lancer là-dedans », a priori, vont se planter tôt ou tard, puisque pourquoi utiliser... un clone de DeepL quand il y a DeepL, pourquoi utiliser un clone de ChatGPT quand il y a ChatGPT, pourquoi utiliser tout ça, vous avez compris le principe, quoi. Et les devs, ils sont pas à fond IA pour pisser du code. Si j'ai vu effectivement, alors moi je développe pas spécialement, mais c'est effectivement la plupart des gens que je connais qui développent ont particulièrement bien accueilli l'usage de l'IA en tant qu'assistant pour développer. C'est-à-dire que quand tu codes, globalement, tu passes quand même pas mal de temps sur des sites comme Stack Overflow pour essayer de t'aider à régler un problème, etc. Et plutôt que maintenant d'aller sur Stack Overflow pour poser ta question, tu peux poser ta question à ChatGPT ou assimilé et il va te donner une réponse plus ou moins satisfaisante. Et c'est vrai que y a pas mal de gens qui développent et qui sont très contents de pouvoir utiliser des IA pour les assister là-dedans, pour juste les aider à coder une routine ou un truc comme ça sans avoir à passer par un service ou un site à côté, quoi. Si des gens de mon équipe me sortent du code pondu par IA, je pousse une gueulante. C'est pas eux qui font la revue. C'est vrai, ça peut poser des problèmes. C'est pas forcément sans problème de coder avec une IA derrière, mais ça peut faire gagner du temps. Évidemment, comme tout, c'est comme faire ses recherches avec Wikipédia. Si tu fais tes recherches uniquement avec Wikipédia et rien d'autre, ça peut être pas génial. Ça peut poser des problèmes. Il faut toujours revérifier derrière. Il faut prendre des précautions qui vont avec, bien sûr. En vrai, c'est utile pour te résumer une documentation ou te rappeler un truc que t'as oublié. Ça peut, il y a plein d'usages potentiels qui peuvent être utiles, ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est comme pour la trad, ça peut être pas mal en assistant et pour gagner du temps, mais ça demande de s'adapter. C'est vrai. Ouais. Ah, ça y est, ça a demandé la recette de la tarte aux fraises à Idriss Elbot. Il faut une pâte sablée, de la crème pâtissière et bien sûr des fraises. C'est vraiment une recette... Pardon. C'est vraiment une recette extrêmement basique de la tarte aux fraises, mais c'est pas faux. Hein. Ouais. Typiquement, c'est bien si tu connais déjà le sujet. Exactement, Gilby. Ouais, l'assistant par IA, il peut être extrêmement utile et très pratique si tu te fais assister sur un sujet que tu connais déjà et où tu vas pouvoir repérer les éventuelles erreurs de l'IA et corriger ça toi-même. Si tu n'y connais rien et que tu fais tout faire par une IA, ça, tu cours à la catastrophe, clairement. Ouais. Et pour la choucroute, un chou et des croûtes. Voilà. Enfin bon, ChatGPT va te répondre d'utiliser Copilot.
Bah, de toute façon, Copilote, maintenant, c'est ChatGPT aussi à l'intérieur. Le chatbot de Copilote, il me semble que c'est ChatGPT de toute façon. Hein, donc ça tourne en rond. Bref, sans grande surprise, on nous prédit que près de 80% des startups qui se sont lancées dans les IA vont se planter magistralement dans les mois qui viennent, à mesure que, d'une part, les investisseurs se rendent compte qu'en fait, ils n'ont absolument pas investi dans les prochains Terminator, mais juste dans des chatbots qui ne savent pas compter, et d'autre part, les clients se rendent compte un petit peu de la même chose, et qu'ils sont tous des clones les uns des autres, et que la bulle, comme on appelle ça, va finir par éclater. Allez, avançons, passons du côté des CPU. Cette fois-ci, parlons un petit peu CPU. Et revenons justement sur les performances de ces fameux Ryzen 9000 qui ont fait pas mal débat ces derniers temps. On avait passé en revue très rapidement quand ils étaient sortis les tests des Ryzen 9000 et les conclusions des tests des Ryzen 9000, c'était globalement qu'on avait un gain qui pouvait aller de 5 à 10% de performance par rapport au Ryzen 7000. Ce qui les rendait, pour la plupart des reviewers qui les avaient testés, ça les rendait pas vraiment, voire, on va inverser, vraiment pas intéressant par rapport au Ryzen 7000, c'est-à-dire personne ne va vouloir racheter un CPU pour gagner 5% de performance, mais qui rendait la plateforme AM5 qui accueille hein, ces CPU un petit peu plus intéressante pour une upgrade par rapport aux précédentes générations. Le problème, c'est que, bon, pas mal de reviewers qui ont testé ces dernières générations de Ryzen étaient particulièrement déçus, déjà pour ces faibles gains de perf par rapport au Ryzen 7000, mais aussi parce que ces gains de perf étaient inférieurs à ce que AMD avait annoncé dans ses brochures de communication au moment du lancement des CPU, ce qui avait poussé certains reviewers à soupçonner AMD soit de communication un petit peu trompeuse, ça arrive hein, parfois, soit d'avoir testé ces CPU dans des conditions qui n'étaient pas des conditions normales d'utilisation. En général, quand on est testeur de CPU ou de quelques produits que ce soit et qu'on veut le tester pour écrire un test à destination du public, on essaie de tester le produit dans des conditions qui sont le plus proches possible d'un usage classique, de ce que les gens qui vont acheter le produit vont faire avec. Et parfois, les constructeurs qui font la pub de leur produit le testent volontairement dans des conditions particulièrement bien optimisées pour pouvoir dire « Hey, il y a des gains de perf complètement délirants », alors que dans la réalité, dans les faits, dans ce que les gens vont avoir sur leur machine à eux, c'est pas nécessairement ça. Ces derniers jours, AMD a tenté d'éclaircir un petit peu la situation et d'expliquer pourquoi, déjà, les résultats qu'ils avaient obtenus, eux, dans leur labo, différaient particulièrement de ce que les reviewers, les testeurs, avaient obtenu quand ils ont testé le CPU de leur côté. Et ils expliquent notamment que ça vient, entre autres choses, d'un certain set d'optimisation de Windows qui n'était probablement pas disponible sur les machines des testeurs au moment où ils ont essayé, où ils ont branché hein, le CPU dans leur machine. AMD explique que, en réalité, pour avoir accès aux pleines performances des Ryzen 9000, il faut, notamment dans les jeux vidéo, il faut lancer les jeux en mode administrateur sur Windows. Alors, ils donnent pas de détails vraiment techniques de pourquoi ça fonctionne mieux comme ça ou pas. C'est un peu décevant d'ailleurs dans leur brochure. J'ai fouillé un petit peu et le communiqué d'AMD reste très très vague sur les raisons techniques réelles qui font que ça tourne mieux en mode administrateur. Mais ils expliquent qu'il y a des optimisations qui sont présentes en mode administrateur qui ne le sont pas en mode normal et qui font que du coup le jeu tourne mieux si vous lancez le jeu sur Windows 11 en mode administrateur. Le problème c'est que c'est généralement déconseillé de lancer un jeu ou n'importe quelle application en mode administrateur de manière générale. Donc les gens le font pas et évidemment les testeurs le font pas. Ce qu'AMD explique, c'est que si vous êtes patient, dans la mise à jour, la future mise à jour de Windows 11 qui s'appelle 24H2,
Microsoft va intégrer. Pourquoi c'est déconseillé ? Parce que, bonne question, je m'interromps pour y répondre du coup. Pourquoi c'est déconseillé ? Parce que quand tu lances une application en mode administrateur sous Windows, ça donne à l'application des droits qu'elle n'est pas forcément censée avoir. Notamment des droits qui vont avoir lien au noyau de Windows, qui est le cœur hein, vraiment du système et qu'il ne faut vraiment pas toucher si tu ne sais pas ce que tu fais. Et ça peut ouvrir potentiellement des failles de sécurité. Si tu lances une application en mode administrateur, mais qu'elle fait rien de méchant sur la machine, c'est pas grave. Par contre, s'il y a une faille de sécurité dans l'application, que quelqu'un l'exploite et que l'application tourne sous Windows en mode administrateur, ça veut dire que la personne qui exploite la faille a un accès administrateur sur ta machine. Et là, elle peut causer d'énormes dégâts. Donc, c'est entre autres pour ça que c'est très déconseillé de lancer des applications en mode admin si t'as pas besoin que l'appli ait un accès admin à ta machine. Donc voilà, ça c'est pour la partie technique. Mais du coup, AMD expliquait que grâce à Windows 11 en version 24H2, une mise à jour qui n'est pas encore disponible à l'heure actuelle pour Windows 11, mais sur laquelle AMD a testé ses CPU, il est possible de lancer les jeux dans une espèce de sandbox administrateur, ce qui lui permet de bénéficier des optimisations sans forcément donner tous les droits admin à l'application. Et du coup, a envoyé une note aux reviewers en leur disant bah, peut-être que vous devriez tester à nouveau les CPU sur cette nouvelle version de Windows qui n'est toujours pas disponible. Pour tester, pour utiliser à l'heure actuelle Windows 11 en version 24H2, il faut passer par la branche preview de Windows. C'est possible, hein, dans Windows 11 actuellement, vous pouvez demander un accès à la branche preview et avoir accès à des versions de Windows qui ne sont pas encore disponibles pour tout le monde. C'est comme ça que vous pouvez installer la 24H2. Installer la 24H2 sur votre machine, par exemple, et avoir justement ce fameux mode pseudo-administrateur qui permet d'avoir accès à de meilleures performances. Forcément, les reviewers ont gueulé en disant tu vas quand même pas nous accuser, nous, d'avoir mal testé le CPU, alors que ton CPU, à ce qui paraît, fonctionne que dans des conditions qui sont pas encore des conditions réelles pour les gens. Cela étant, il y a des reviewers qui se sont donné la peine d'installer 24H2 et de tester réellement pour voir s'il y avait des vrais gains de performance. Comme ça, c'est ce qu'a fait notamment Hardware Unboxed, les youtubeurs australiens, si je ne me trompe pas. Et ils ont effectivement constaté un gain qui peut aller jusqu'à 10 à 15% sur les Ryzen 9000 en jeu. Simplement en installant cette mise à jour et en relançant les tests sur le jeu, les gains de perf peuvent monter jusqu'à 15%. Non seulement ça, mais ils sont également visibles. Donc ils sont visibles sur les Ryzen 9000, c'est la première chose. Ils sont également visibles sur les Ryzen 7000 et dans certains cas, ils sont même également visibles sur les Ryzen 5000. Donc l'architecture Zen 3 sortie en 2020 ou 21, quelque chose comme ça. Et donc oui, c'est également disponible ce gain de perf sur les Ryzen 5000 simplement en mettant à jour Windows vers la version 24H2. Donc forcément le discours commence à changer un petit peu. Les Intel gagnent combien ? Les Intel gagnent un petit peu, mais moins, selon ce que disait Hardware Unboxed, je suis passé plus vite hein, sur la partie Intel, mais selon ce que disait Hardware Unboxed, le gain de perf chez Intel, il existe selon les modèles, mais il est beaucoup plus faible. Il est de l'ordre de ce qu'ils observent pour les plus vieux modèles, pour le coup. Mais c'est beaucoup moins impressionnant que les gains de 10 à 15% qu'ils ont constatés sur les dernières générations de CPU. Donc, encore une fois, les raisons techniques exactes de ce gain de perf, il n'est pas détaillé par AMD, il n'est pas non plus détaillé vraiment par Microsoft. On sait que ce sont des optimisations qui sont liées au mode administrateur de Windows, mais je n'ai pas trouvé de doc technique complète qui explique vraiment les raisons du pourquoi, du comment. Donc, bon, on sait que les gains de perf sont réels par contre, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Une précision quand même, donc là à l'heure actuelle, si vous avez Windows 11 et un Ryzen 9000, vous pouvez pas encore constater ces gains de perf parce que si votre Windows est à jour, vous êtes en version 23H2 à l'heure actuelle. Et du coup, vous avez pas, hein, vous avez pas la dernière version qui a, enfin, ou la future version qui a ces optimisations. Techniquement,
vous pouvez techniquement vous pouvez avoir accès à la 24H2 si vous passez sur la branche preview de Windows, et là vous pourrez installer la nouvelle version et justement tester pour voir si vous avez aussi ces gains de perf. Mais sinon la 24H2 sortira d'ici la fin de l'année hein, sur Windows 11, donc c'est une question de patience. Mais Microsoft et AMD ont précisé que, vu les gains de performance et vu le problème que ça a causé par rapport aux reviewers, Microsoft allait sortir ces optimisations-là dans une mise à jour pour la version 23H2 de Windows 11, qui devrait être la version sur laquelle vous êtes actuellement si vous avez un Windows 11 à jour. Donc, en théorie, ça devrait arriver plus tôt que prévu. On peut télécharger des FPS. Ben oui, techniquement, ouais, voilà, tu peux télécharger des FPS. Si tu es sous Linux, tu peux voir une différence. Alors, j'ai pas vu de reviewers qui ont fait de tests de ça sous Linux. Je présume que oui, il y a a priori aucune raison technique pour que ces gains de perf se voient pas également sous Linux. Mais j'ai pas vu de reviewer qui ait fait le test sous Linux. Il y en a probablement, hein. C'est juste que s'il y en a eu, je suis pas tombé dessus. Donc je peux pas vraiment répondre précisément à cette... Mais je pense que d'un point de vue technique, il y a rien qui empêche hein, les machines sous Linux d'observer le même gain de perf. Après, on parle de gain de perf en jeu. Le jeu sous Linux, c'est, ça existe pour de vrai maintenant. Mais enfin, ça existait pour de vrai il y a 20 ans aussi, mais c'était autre chose. Mais j'ai pas encore vu beaucoup de tests sous Linux à ce niveau-là. Ça concerne que Windows, le problème n'existait pas sous Linux. Bon, bah voilà, ça répond à la question du coup. J'ai un AMD Ryzen 7 Core 5800X 8 cœurs, donc t'es concerné. Potentiellement, ouais, t'es concerné. T'auras pas forcément 15% de gain de perf comme les Ryzen 9000, mais t'auras probablement un gain de perf visible ouais, quand la mise à jour sera dispo. Un truc à noter quand même, et ça c'est quelque chose que Hardware Unbox a noté dans ses tests, c'est pour l'instant parmi les premiers, voire les seuls, hein, à avoir fait des tests vraiment extensifs sur les deux versions. Et ils expliquent une chose qui est quand même assez importante, c'est que certes, il y a un gain qui peut aller de 10 à 15% de perf sur les Ryzen 9000, mais en réalité, ils ont aussi constaté un gain de perf qui peut aller au-delà de 10% sur les Ryzen 7000. Ce qui veut dire que, certes, ça améliore les perfs du CPU, ça améliore les perfs brutes du CPU, mais ça change pas grand-chose au fait que les Ryzen 9000 sont pas super intéressants par rapport aux Ryzen 7000. En fait, c'est-à-dire que vu que les 7000 gagnent aussi en perf derrière, eh ben l'écart assez faible de performance entre les deux générations ben reste le même et ne rend pas les 9000 plus intéressants par rapport aux 7000. C'est quand même intéressant à noter parce que c'était aussi un des problèmes hein, notés dans les tests sur les Ryzen 9000, c'était qu'ils n'étaient pas super intéressants par rapport aux 7000 sortis 2 ans plus tôt. Est-ce qu'il y a un lien et une date pour ce download ? Alors, la 24H2, elle est prévue pour quand ? J'avoue que je ne suis pas allé checker les dates. 4H2. Elle est attendue pour quand ? En général, c'est octobre, non ? Il y a des machines déjà dessus. Oh. C'est impossible de trouver les dates. Vraiment. Le problème, en fait, c'est difficile de trouver la date exacte de la sortie de la 24H2 parce que ça fait déjà quelques versions. Non, mais j'ai quand même essayé de trouver, mais c'est difficile de trouver la date. Ça fait déjà quelques versions que Microsoft étale la sortie de ces mises à jour. En réalité, quand il y a une nouvelle version de Windows qui sort, tout le monde n'y a pas accès en même temps. C'était déjà le cas pour Windows 11, hein, d'ailleurs. Enfin, quand ils ont lancé Windows 11, ils ont aussi fait ça par étapes. Donc, en réalité, ils sortent une mise à jour, tout le monde n'y a pas accès en même temps. Et donc, ça leur permet, en fait, de... Ça leur permet de voir un peu les effets de la mise à jour au fur et à mesure qu'ils la sortent. On a déjà vu des problèmes de ce type hein, avec Windows 10 à l'époque, et c'était quelque chose qui ne devait plus exister avec Windows 11, mais bon, on en est là. On avait déjà eu ce problème avec Windows 10 où il y a déjà eu des mises à jour
qui avait pour effet d'effacer des dossiers entiers, en réalité. Et parce que parfois, t'as des bugs et tu installes la nouvelle version de Windows, ton imprimante marche plus, ou ton dossier document est vide, ou ce genre de choses. Et donc, du coup, pour éviter de supprimer la totalité des documents de plusieurs millions de personnes qui mettraient Windows à jour en même temps, ils ont décidé d'étaler la diffusion de la mise à jour sur les machines, sur plusieurs semaines, pour pouvoir limiter les dégâts si jamais il y a un problème. Donc du coup, il n'y a plus une date de sortie pile poil précise des mises à jour de Windows, c'est étalé sur plusieurs semaines, donc c'est le cas aussi pour la 24H2. Il y a peut-être des gens qui ont déjà la 24H2 sur leur machine, et d'autres qui vont devoir attendre septembre ou octobre. Mais... Le fait que ce problème soit passé inaperçu jusqu'à présent montre que les perfs CPU des jeux sont rarement un problème. Les perfs CPU des jeux, de manière générale, sont rarement un problème dans le sens où t'achètes un PC moderne, il y a très peu de chances que ce soit le CPU qui fasse bottleneck dans les jeux. En général, c'est pas le cas. Il y a des jeux pour lesquels ça peut arriver, si tu joues qu'à des jeux de stratégie ou à que à des RPG extrêmement mal optimisés ou très très lourds, ça peut arriver que le CPU soit un problème, mais c'est relativement rare. En général, un cas d'usage normal pour un PC de jeu vidéo, c'est que le CPU, il se balade, et derrière, c'est le GPU qui fait tout le taf et qui, c'est lui qui fait, entre guillemets, office de bottleneck. Mais c'est rarement le cas du CPU. Ça commence à l'être quand le CPU vieillit un peu et qu'il est plus capable de suivre avec les dernières technologies. Mais c'est vrai qu'en général, le CPU est rarement, sur un PC neuf, le composant qui va faire que tu peux pas jouer à un jeu, ouais. Les seuls jeux où le CPU est demandé, c'est quand il y a de la physique en temps réel très exigeante. Ouais, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare, quoi. Flight Simulator est un exemple de jeu où le CPU peut être un bottleneck. Mais c'est un cas exceptionnel, hein, clairement. Enfin voilà, bref, toujours est-il que vous avez peut-être pas encore de Ryzen 9000 dans votre machine, mais si vous faites partie des early adopteurs et des gens qui se sont dit « Rien à foutre, j'achète les derniers CPU, j'ai un Ryzen 9000 à la maison », sachez que la prochaine mise à jour de Windows va vous faire gagner gratuitement près de 10% de FPS. Et bon, ben voilà, suite à une mise à jour de Windows qui apporte quelques optimisations, corrige quelques bugs. Donc c'est toujours bon à prendre. Toujours est-il que les Ryzen 9000 sont toujours, malgré cette mise à jour, pas hyper intéressants par rapport aux 7000, puisque le gain de perf entre les deux générations reste, malgré ça, assez faible et assez peu intéressant. Bref, avançons. Revenons un petit peu sur l'affaire Telegram. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Revenons un petit peu sur un sujet dont on avait parlé au début de semaine, qui était l'arrestation en France de Pavel Durov, le PDG et cofondateur de Telegram, qui a été arrêté samedi soir en France sur le tarmac du Bourget et qui était notamment accusé de n'avoir pas coopéré avec les autorités françaises, notamment en matière de modération des contenus qui sont publiés sur les canaux Telegram et qui lui reproche donc un manque de mise en conformité de son réseau Telegram, de son réseau social Telegram par rapport aux lois européennes et notamment aux lois françaises. Pavel Durov a été arrêté samedi soir en France. Sa garde à vue a été prolongée une première fois dimanche soir et à nouveau jusqu'à ce soir. En réalité, sa garde à vue a été prolongée jusqu'à 96 heures. On en parlait lundi, hein, de la prolongation des gardes à vue en France. Et il se trouve que normalement, le temps maximum d'une garde à vue en France est de 48 heures et peut être étendu jusqu'à 96 heures dans les cas d'accusation de crime organisé. Et il se trouve manifestement que ça fait partie des accusations qui pèseraient sur Pavel Durov et sur son réseau social, sur Telegram. Et donc, ouais, voilà, si la garde à vue a duré 96 heures, c'est qu'il est probablement accusé d'avoir participé ou d'avoir encouragé du crime organisé, puisque je pense pas qu'il soupçonne
directement Pavel Durov d'être un criminel, membre d'une organisation, etc. Par contre, il est le PDG et donc le responsable de Telegram, réseau sur lequel plusieurs enquêtes ont déjà montré que des réseaux de crimes organisés, des réseaux terroristes, parfois des réseaux pédopornographiques, ont, j'allais dire prospéré, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, ces réseaux-là l'ont utilisé pour faire leurs affaires sans forcément que la modération du service soit efficace pour contrer ce genre de communication sur le réseau. Et c'est précisément ce qui lui est reproché, visiblement, parce que pour l'instant, il y a toujours le secret de l'enquête hein, autour de cette affaire, et donc on a quelques fuites à droite à gauche de policiers français qui parlent à la presse, mais pas grand chose. Donc, pour l'instant, il n'y a toujours pas de chef d'accusation public à son sujet. Cela étant, au moment où on se parle, on est mercredi, il est 18h47. La garde à vue doit se terminer ce soir aux alentours de 20h, ce qui signifie qu'on devrait être fixé d'ici ce soir, dans la soirée, sur le sort de Pavel Durov. Il n'y a que deux issues. Soit il est relâché, soit on estime qu'il y a suffisamment d'éléments à charge contre lui, et à ce moment-là, il sera mis en examen. Et à ce moment-là, on devrait savoir un peu plus ce qui lui est reproché. Et du coup, l'affaire va se poursuivre. Alors la guillotine, on n'y est pas encore. Mais voilà, en tout cas, on sera un petit peu plus fixé sur son avenir ce soir, a priori. C'est tombé, il y a eu une dépêche AFP. Ah, bah alors attendez, parce que je pensais faire une update. On attendait la news vers 20h, mais si elle est déjà tombée, laissez-moi juste chercher, du coup. Est-ce qu'on peut lire la dépêche AFP ou pas? On peut pas lire, c'est payant l'AFP. C'est payant l'AFP. Alors attendez. La pédopornographie et le terrorisme pour restreindre la liberté d'expression, c'est un classique. Cela étant, oui, la pédopornographie et le terrorisme, on en a vu hein, sur Telegram. Hein. On sait que c'est un réseau qui a été utilisé pour recruter et pour ce genre de choses. Est-ce que je peux trouver une news? Tiens, j'ai France 24. On va passer par ça. Tac. Donc, ah bah écoutez, j'en profite du coup. La news est tombée pendant le stream. Pavel Durov va être donc déféré devant un juge, nous explique France 24. Enlève-moi ça. Donc voilà. Je vais juste reprendre mes notes. Ici. Donc oui, pour ce qu'on sait pour l'instant de l'affaire concernant Pavel Durov, est-ce qu'on a la liste des chefs d'accusation ou pas? Pas dans l'article, si. Potentiel mis en examen. Le juge d'instruction a mis fin à la garde à vue de Pavel Durov et le fait présenter en vue d'interrogatoire de première comparution et d'une potentielle mise en examen. Donc même pour l'instant, la mise en examen pour l'instant n'est pas encore confirmée. Hein. Ça reste... vous voyez, c'est là qu'il nous manque un von Yaourt. Qui nous aurait expliqué le système judiciaire français avec des mots simples et compréhensibles pour les enfants que nous sommes. Mais en tout cas, pour revenir à mes notes et à ce que j'avais prévu de vous dire, donc ce qu'on sait accessoirement autour de cette enquête qui concerne Pavel Durov, on sait qu'il y avait un mandat d'arrêt qui avait été émis contre lui. Ce mandat d'arrêt fait lui aussi partie du secret de l'enquête, donc on n'a pas les détails non plus de ce qu'il y a dedans. En revanche, on sait qu'un mandat d'arrêt a également été émis contre son frère, Nikolaï Durov, qui est cofondateur hein, de Telegram, qui était également cofondateur de VContact, leur ancien réseau social qui est entre-temps passé dans les mains du gouvernement russe et dont ils ne font plus partie. Mais voilà, Nikolaï Durov fait également l'objet d'un mandat d'arrêt en France et on sait également que les deux mandats d'arrêt ont visiblement été émis en mars dernier. On n'a pas d'autres détails, puisqu'encore une fois, ils ne sont pas publics, donc il faudra se contenter de ça. Il va donc passer devant un juge qui va lui notifier les motifs de sa mise en examen. Exactement. Là, il doit passer devant un juge, et s'il est mis en examen, de toute façon, on va lui dire pourquoi. C'est obligé. Donc, à ce moment-là, on saura exactement ce qui lui est reproché, et on aura peut-être un peu plus d'éléments sur la suite potentielle de l'histoire. Mais effectivement, là, il faut qu'il passe devant un juge pour être mis en examen.
Il passera devant un juge de liberté qui décidera s'il est incarcéré ou à un contrôle judiciaire. Alors, ce que j'ai pu lire, évidemment, pour l'instant, on ne sait pas. Ça va être à un juge de décider. Les juges en France, peu importe ce qu'on vous dit, sont indépendants. Mais le consensus, on va dire, actuellement, c'est qu'il risque fort d'être mis en détention provisoire, simplement parce qu'on estime qu'il y a un potentiel risque de fuite. Actuellement, il a toujours un jet privé qui est au sol sur le tarmac du Bourget, et on ne veut pas le remettre en liberté conditionnelle et le voir repartir vers l'étranger, idéalement vers un pays qui n'extrade pas vers la France, et du coup nous faire une Polanski, quoi. Mais on verra bien. Apparemment, ça fout le bordel à l'international. Ouais, on en avait parlé un petit peu lundi. La Russie a réagi, puisqu'il est né en Russie, le jeune homme. Pavel Durov. Alors, il y a plus mis les pieds depuis 2014, parce qu'il est un peu fâché avec Poutine, mais il est quand même né en Russie. Il faut préciser qu'il a été naturalisé français en 2021, Pavel Durov. Donc, il a la citoyenneté française. Pour le coup, mais ça a effectivement fait pas mal réagir la Russie, qui accuse la France d'avoir fait une arrestation politique, et que bref, voilà, c'est le discours classique russe. Mais effectivement, ils se sont un peu emparés de l'affaire. Il faut noter également que les Émirats Arabes Unis se sont également emparés de l'affaire, puisque quelque chose qui n'avait pas été précisé dans les premières heures suite à son arrestation, c'est que le siège social de Telegram, il est à Dubaï. Il ne pouvait plus tellement le mettre à Moscou, donc le siège social de Telegram est à Dubaï, et il n'est pas exactement à Dubaï par hasard. En tout cas, ce qu'on sait également, c'est que Pavel Durov, il n'a pas que les nationalités russes et françaises, il a également la nationalité des Émirats Arabes Unis. Voilà. Donc, il est également citoyen émirati, ce qui signifie que du coup, les Émirats Arabes Unis se sont également saisis de l'affaire. Et ont demandé aux autorités françaises un accès à Pavel Durov pour pouvoir assurer sa défense, etc. Donc c'est normal, hein, pour le coup, c'est même ce qu'on attend d'un gouvernement. Je veux dire, si vous, en tant que citoyen français, vous voyagez à l'étranger et que vous êtes arrêté là-bas, peu importe les motifs, le gouvernement français est censé vous porter assistance, hein, dans ce genre de situation, hein. Donc c'est normal. Là-dessus, que le gouvernement russe s'empare de l'affaire et que le gouvernement émirati s'empare de l'affaire, c'est parfaitement normal, c'est attendu, et il n'y a pas tellement de... Mais bon, après, il faut regarder aussi les discours, mais voilà. Il est citoyen français, donc niquez-vous les autres, on est dans notre bon droit, bien sûr, mais vu qu'il est également citoyen de ces autres pays, c'est normal que ces autres pays s'intéressent au sujet. C'est voilà, c'est la base. Les passeports, c'est comme les cartes. Je sais pas s'il collectionne les passeports, mais bon, voilà. Il est autant saoudien que tantais. Ça, c'est sûr. Je sais pas combien de fois, il a été en France depuis qu'il a la nationalité, mais bon. On nous dit, Don Mescalito, salut, nous dit, il y est retourné 9 fois depuis. Écoutez, peut-être. Ah, il est retourné en Russie 9 fois depuis. Moi, je sais qu'il n'est pas en bon terme avec le gouvernement de Vladimir Poutine. Mais bon. Salut. On connaît les chefs d'accusation depuis un moment. On sait ce qui lui est reproché, mais les chefs d'accusation officiellement pour lesquels il risque d'être jugé, on les connaît. Vas-y, hein, mets un lien, hein, si t'as. De toute façon, on est en train de traiter la news, donc c'est dans... C'est complètement dans le sujet, mais il me semble, tant qu'il n'est pas passé devant un juge d'instruction, on ne sait pas. Enfin, on sait, mais on ne sait pas pourquoi, je veux dire. Alors, attends. Bon, c'est un PDF. Ça va être fascinant à lire. Attendez une seconde. Communiqué de presse du 26 août. Oui, d'accord. Mais alors, ça, c'est les raisons pour lesquelles il a été arrêté. Ça, c'est les raisons pour... Le communiqué date de lundi. Ça, c'est les raisons pour lesquelles il a été arrêté. C'est pas nécessairement ce pourquoi il risque d'être mis en examen. Il y a peut-être des trucs qui vont être lâchés entre-temps. Parce qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre qu'il y a les chefs d'accusation pour lesquels il est arrêté. Ensuite, on le met en garde à vue. On l'interroge, on lui pose des questions.
auquel il répond, bah, est-ce qu'il a à répondre. Et en fonction de ce qu'il répond et en fonction de ce qu'on a comme élément dans l'enquête, il y a des chefs d'accusation qui vont être abandonnés, parce qu'on considère qu'on n'a pas assez d'éléments, et d'autres qui vont être retenus. Parfois, d'autres qui vont être rajoutés par rapport à ce qu'on apprend entre-temps. Mais du coup, ça, ce sont les raisons pour lesquelles il a été arrêté. C'est pas nécessairement les raisons pour lesquelles il va éventuellement être jugé derrière. Donc on verra, hein, on verra. Donc là, il précise que la garde à vue a été prolongée, ça on en avait déjà parlé. Ok. Là, à l'heure actuelle, il n'est pas encore passé devant un juge, au moment où on se parle. Il le sera peut-être d'ici demain, hein, si vous regardez sur YouTube, on verra bien. Vous aurez peut-être plus d'infos que nous si vous êtes dans le futur. Mais on verra, hein, s'ils ont retenu tous les chefs d'accusation pour une mise en examen ou pas. On verra bien comment ça se passe. Enfin bon, est-ce que j'ai fait le tour de mes notes sur le sujet ? Oui, on avait, si vous voulez plus de détails, on avait déjà beaucoup parlé de ce sujet lundi dernier. Le replay est sur YouTube. Si ça vous intéresse, je mettrai peut-être une note quelque part là-haut pour que vous puissiez cliquer dessus et aller voir. On en parle beaucoup plus en détail dans le Hot Tech Turbo de lundi. À mon avis, il n'avait pas bien implémenter les backdoors pour la NSA. Cette histoire de backdoor, elle est un peu spéciale parce qu'on en avait parlé aussi lundi de ça pour le coup, dans une interview qu'il avait donnée au début de l'année à Tucker Carlson, l'éditorialiste américain. Il avait expliqué que, alors ça c'est ce qu'il dit sans forcément donner de preuves, donc il faut le croire sur parole, mais il avait expliqué que le FBI, hein, je crois, avait essayé de débaucher un de ses ingénieurs pour avoir un espion qui bosse chez Telegram et qui pourrait leur créer une backdoor, effectivement. Il avait parlé de ça chez Tucker Carlson, on ne sait pas à quel point c'est vrai ou pas, mais ce ne serait pas nécessairement surprenant, hein, comme méthode. Hein. Ouais, il n'est pas ouf, Tucker Carlson, mais bon. Mais... Enfin bon, avançons. Si restons très rapidement non c'est bon, non, on a assez parlé de Telegram. Si, je voulais préciser parce que c'est une news que j'ai pas rajoutée forcément dans le conducteur mais qui a un vague lien avec ce qu'on disait. Sachez que la Corée du Sud ne s'est pas forcément exprimé sur l'arrestation de Pavel Durov, mais la Corée du Sud en a un petit peu profité pour publier un communiqué dans lequel le gouvernement explique qu'ils vont s'intéresser de plus en plus près à Telegram, justement parce que il y a une affaire grandissante de deepfake, notamment de deepfake pédopornographique, qui a l'air de sévir sur Telegram en ce moment, principalement en Corée du Sud et dans les écoles sud-coréennes, et que justement la Corée du Sud, elle aussi, reproche à Telegram de ne pas modérer ce genre de contenu, ce qui risque de valoir également à Telegram des problèmes judiciaires, pas qu'en Europe, mais également en Corée du Sud. Ça, c'était pour ajouter un petit peu de matière à l'info. J'ai vu des trucs commencer à sortir, et effectivement, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, la Corée du Sud par rapport au deepfake sur Telegram, c'est un peu déprimant, ouais. Ouais. Enfin voilà, allez, assez parlé de Telegram, avançons un petit peu. Il faut qu'on parle de Meta, on parle vraiment des meilleures entreprises du monde en ce moment. Parlons de Meta qui a pris peut-être une bonne décision, on sait pas, l'avenir nous le dira. Meta qui vient de décider, qui a annoncé à ses équipes qu'ils allaient mettre fin à leur projet de casque de réalité mixte. Alors, pour vous rappeler ce qu'est un petit peu la réalité mixte, si vous connaissez pas le principe, c'est un principe de casque de réalité virtuelle qui mélange réalité virtuelle classique et réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est ce principe qui consiste à rajouter des objets en 3D dans une scène réelle et qu'on peut mélanger avec de la réalité virtuelle dans un casque. C'est ce que fait par exemple l'Apple Vision Pro, dont on a un petit peu parlé au début de l'année et à la fin de l'année dernière. C'est le principe, hein, oui, de l'Apple Vision Pro, tout à fait. Et
Dans la foulée du lancement de l'Apple Vision Pro, Meta avait pour projet, eux aussi, de créer leur propre casque de réalité mixte premium, un petit peu, un truc très très haut de gamme, avec des écrans OLED, avec tout ce qui va bien pour essayer d'aller concurrencer Apple sur ce marché. Et il se trouve que quelques mois plus tard, Meta vient de décider de débrancher le projet qui portait le nom de code Lajola et qui devait sortir, en tout cas dont une sortie prévisionnelle était prévue pour 2027. Voilà. Est-ce qu'il y a des licenciements associés à cette annonce ? Pas dans les news que j'ai vues pour le moment. C'est pas impossible hein, que ça risque de couper un petit peu, mais il n'y a pas forcément de licenciement prévu puisque le département qui s'occupait de travailler sur le projet de casque de réalité augmentée, c'était le fameux Reality Labs, c'est comme ça qu'il s'appelle, ouais, le fameux pôle Reality Labs de Meta, qui est en ce moment le pôle préféré de Mark Zuckerberg chez Meta. Il est fan de VR. Mark Zuckerberg, il adore ça. La création du Metaverse, ça s'est créé uniquement sous l'impulsion de Mark Zuckerberg, qui a toujours été un fervent défenseur de la VR et qui a poussé énormément pour que tous les projets de Meta, donc Facebook, Instagram, etc., se déplacent de plus en plus vers la VR parce qu'il y a toujours cru à fond. Malheureusement, la VR n'ayant pas été le succès que Zuckerberg et d'autres espéraient, au bout d'un moment, les investisseurs ont commencé à lui dire, donc les actionnaires, entre autres de Meta, ont commencé à foutre la pression sur Mark Zuckerberg pour qu'il arrête de dépenser des milliards de dollars dans ce projet qui ne rapportait pas. L'année dernière, déjà, hein, Mark Zuckerberg avait publié une lettre au moment où il licenciait 10 000 personnes, justement, de Meta. Il avait publié une lettre dans laquelle il expliquait que c'était de sa faute, effectivement, et qu'il avait mal envisagé l'essor de la VR et qu'il avait investi beaucoup d'argent dans des projets qui n'en ont pas rapporté. Ce qui a conduit, hein, justement, à des annonces de licenciement à l'époque. Depuis, le département Reality Labs de Meta existe toujours, il continue d'exister, il sort hein, des nouveaux casques, il y a le Meta Quest 2 là, qui vient de sortir ou qui va sortir, qui vient de sortir je crois. Donc il y a toujours hein, des projets actuellement en termes de VR chez Meta, et un de ces projets devait être le fameux casque Lajola, c'était le nom de code, qui devait sortir en 2027 et qui devait concurrencer hein, l'Apple Vision Pro. Alors les raisons pour lesquelles Meta a décidé d'abandonner ce projet ne sont pas vraiment connues. On sait que les ingénieurs qui bossaient dessus ont été informés la semaine dernière que ils bossaient plus dessus, hein, concrètement. Mais il n'y a pas eu vraiment de raison données pour lesquelles ils ont décidé d'arrêter ce projet. La raison qui semble évidente, c'est que c'est pas forcément aussi porteur, encore une fois, que ce que Zuckerberg espérait, et qu'il semblerait que même du côté d'Apple, qui a pourtant mis les thunes hein, pour que ça marche, a l'air d'avoir du mal à vendre leur casque qui coûte quand même la bagatelle de 3 500 $ à l'heure actuelle. D'ailleurs, le casque s'est lancé dans un premier temps aux États-Unis et Apple n'a eu de cesse de silencieusement repousser le lancement de ce casque dans d'autres pays. Il n'est toujours pas officiellement disponible en France. Il devrait l'être d'ici la fin de l'année ou début 2025, mais je crois qu'ils ont posé une date de sortie vers septembre ou octobre. Mais voilà, ça prend du temps et c'est visiblement pas une réussite, en tout cas pas dans les proportions qu'Apple espérait, du côté de leur propre casque à eux. Donc ça a probablement découragé Meta et surtout les actionnaires de Meta qui ont déjà vu beaucoup de milliards de dollars partir dans Reality Labs pour pas beaucoup de recettes, pour une nouvelle fois remettre la pression sur Zuckerberg pour lui dire « Écoute, on t'avait dit de calmer un petit peu tes projets chez Reality Labs, c'est pas pour nous sortir un casque à 3000 balles qui va pas se vendre et qui aura coûté des milliards à développer. » Donc, ça calme un petit peu l'affaire. Donc voilà. Zuckerberg, lui, il reste un fervent défenseur de la VR. Il n'aura pas son casque de réalité mixte, mais voilà. En tout cas, Meta a décidé de débrancher la prise concernant la réalité mixte et n'ira pas concurrencer Apple du côté de l'Apple Vision Pro. Voilà.
Durov visé par une enquête pour violence grave sur un de ses enfants. Sérieux ? Tu penses que c'est pour ça qu'il a été arrêté, du coup ? Pas de rapport avec Telegram, ça. Enfin bon. Ça, c'était pour Meta, qui, finalement, ne sortira pas de casque de réalité mixte. Passons en France, si vous le voulez bien. Passons en France et parlons d'un petit studio français, de la French Tech, du fleuron français de notre industrie dont nous sommes si fiers. Je parle du studio Spiders. Spiders, qui est un studio que vous connaissez peut-être pour des jeux comme Gridfall ou Steel Rising, plus récemment, qui travaille en ce moment sur Gridfall 2, par ailleurs, et qui vient d'annoncer qu'il se prépare à se mettre en grève, parce que les choses ne se passent pas super bien du côté de... du côté de Spiders. Il faut rappeler que Spiders, alors là on est en train de lire un communiqué relayé par le STJV qui parle de cet appel à la grève, mais notamment à travers une lettre ouverte qui est publiée chez eux. La lettre ouverte elle-même fait 20 pages, donc on va pas la lire en entier, bien sûr. Elle est disponible sur le site du STJV si vous voulez aller la lire, mais on va essayer de la résumer autant que faire se peut. Dans les grandes lignes, en tout cas. Précisons, je le crois que je l'ai déjà dit, mais précisons quand même que Spiders est un studio français, à Paris, je crois, qui appartient à 100% à Nacon. Nacon qui est, entre autres, un éditeur de jeux vidéo également. Et justement, les employés de Spiders, à l'heure actuelle, 95 employés aujourd'hui, au moment où on se parle, chez Spiders, les employés de Spiders reprochent un certain nombre de choses à leur direction, dans une lettre ouverte, comme je vous le disais. La lettre ouverte elle-même a été signée par près de 43 personnes. 43 personnes d'entreprise, qui fait environ la moitié des effectifs, la moitié des effectifs de Spiders qui ont signé la lettre ouverte et qui devraient se retrouver en grève début septembre. Donc parmi les reproches qui sont faits à la direction, et je pense notamment à Nacon, qui détient et gère, pilote en tout cas, Spiders, il y a plusieurs choses. Dans les grandes lignes, on va résumer un petit peu, on reproche à Nacon, entre autres, une instabilité des conditions de travail et des salaires bas, une désorganisation, c'est-à-dire une croissance du studio qui, visiblement, nous dit la lettre ouverte, a plus que doublé ces dernières années, sans forcément un changement au niveau de l'organisation, ce qui peut effectivement poser des problèmes, et des projets de développement en parallèle qui aurait été assez mal géré, un turnover trop important, c'est-à-dire un départ des talents qui ne sont pas qui ne sont pas retenus dans l'entreprise et pas vraiment d'actes qui visent à retenir les vétérans dans l'entreprise, ce qui peut aussi poser des problèmes dans les développements des projets. Quand une personne s'en va alors qu'elle gérait un truc important sur un jeu, il faut la remplacer, mais ça veut dire qu'il faut reprendre une partie de son travail à zéro parce qu'on n'est pas la personne qui a développé certaines choses. Ça fait perdre du temps dans le développement d'un projet, ça complique les choses. Un retard sur la parité et l'égalité de genre dans l'entreprise, notamment. Un manque de transparence, ça revient souvent, ce genre de choses. Le manque de transparence entre la direction et ses employés, c'est quelque chose qui a notamment été reproché chez Ubisoft, entre autres Ubisoft, qui a connu quelques mouvements de grève ces derniers temps dans ses effectifs. Entre autres, un manque de transparence donc de la direction et également une négation des problèmes rapportés à cette même direction qui ne réagirait pas aux différents soucis concernant ce qu'on vient de dire, le manque de parité, la désorganisation, etc. etc. Donc ça, entre autres choses. Et Gridfall 2, qui est directement cité dans la lettre ouverte et qui serait cité comme une source des problèmes de développement que l'entreprise a connu ces derniers temps et des représentants des problèmes d'organisation qu'il y a eu ces derniers temps dans l'entreprise. Donc c'est qu'une partie, c'est la majeure partie, mais c'est une partie des reproches qui sont faits dans la lettre ouverte des employés de Spiders à leur direction. Tout ça va se concrétiser dans un mouvement de grève, un appel à la grève qui est posé pour les 2 et 3 septembre prochains.
pour voilà, essayer de faire bouger la direction sur ces questions. Le STJV rappelle qu'il y avait déjà eu, notamment au début de l'année, je crois, qu'il y avait déjà eu un mouvement de grève chez Spiders au tout début de l'année qui n'avait pas abouti à des négociations fructueuses à l'époque, ce qui conduit du coup à un nouveau mouvement de grève chez Spiders ces prochains jours. Donc voilà. En fait, les gueux en ont marre et ils râlent. Ben oui, voilà, c'est ça. Les gens sont pas contents. Donc bon, d'un moment, ils disent qu'ils sont pas contents, quoi. Tout à fait, hein. Tout à fait. Ouais. Et re, Von Yaourt. Donc voilà, la lettre ouverte est disponible sur le site du STJV. Si vous voulez aller la lire, elle fait une vingtaine de pages qui expliquent en détail les raisons pour lesquelles les employés de Spiders envisagent de se mettre en grève. Et ils en ont gros, ouais, voilà, pour toutes les raisons qu'on vient de donner. Donc voilà, ça c'était pour vous tenir informé de l'industrie du jeu vidéo en France. Avançons. Et comme je vous le disais, cette semaine, l'actualité était un petit peu calme. Bon, ça arrive. Ça arrive. Parfois, il y a des semaines où il y a moins de choses à dire que d'autres. Et ce sont les semaines idéales pour lancer des débats. Voilà, des débats stériles. On n'a rien à dire, alors on trouve quand même quelque chose à dire. Bon, ben le débat stérile de cette semaine, il va nous venir du jeu Avowed. Voilà, de chez Obsidian. Obsidian, qui vient d'expliquer dans un podcast dans lequel le directeur artistique Matt Hansen parle de son futur RPG à venir en expliquant que, eh bien, écoutez, la version Xbox du jeu va viser les 30 images par seconde. Parce que, tout simplement, il explique, hein, et là je le cite, le jeu va viser 30 images par seconde au minimum, puisque tout simplement, c'est un jeu solo en vue à la première personne, donc vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir 60 images par seconde. Alors là, j'en appelle à tous les hack-bous de ce monde, j'en appelle à tous les esthètes de la belle image, est-ce que vraiment vous considérez qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir 60 images par seconde quand on joue à un jeu vidéo à la première personne et qu'on est dans un jeu solo? Voilà, c'est pas besoin, nous dit Gilby. Moi, je pense que c'est une position qui peut se défendre. Franchement, le 30 images par seconde, si ça permet d'avoir un jeu intéressant et qui s'en sort pas trop mal, j'ai envie de dire pourquoi pas. Le problème, et là je vais boire une petite gorgée de flotte avant de continuer. Le problème, c'est que c'est pas ce qu'on avait dit. Et là je m'adresse à Microsoft. Obsidian étant un studio qui appartient à Microsoft, je dis pas de conneries si je dis ça, non? Obsidian, ça appartient à Microsoft, non? Attendez. Non mais Obsidian Entertainment, pas le... Oh. Oui, hein. Oui, oui, Obsidian Entertainment appartient à Microsoft. Donc je peux. Tout appartient à Microsoft, exactement. Donc, Obsidian Entertainment qui appartient à Microsoft, je m'adresse directement à Microsoft. Microsoft, c'est pas ce qu'on avait dit. Je suis désolé, je suis obligé de vous rappeler que c'est pas ce qu'on avait dit. Quand vous avez sorti la Xbox Series X, vous aviez dit que tous les jeux, ils vont tourner parfaitement 60 images par seconde, 4K, 8K, parce que vous avez fait la pub de la 8K hein, aussi. Il y a zéro jeu à l'heure actuelle qui tourne en 8K, mais il y a 4 ans, comme Sony, vous faisiez la pub de la 8K. Maintenant, vous nous disiez 120 images par seconde, vous nous disiez variable refresh rate machin, etc. Et aujourd'hui, on a des développeurs de chez Obsidian hein, qui vous appartiennent, qui nous expliquent que ça va, c'est un RPG solo, il va tourner à 30 images par seconde et ça suffit amplement. Alors moi,
Je jette pas la pierre, je suis conscient des réalités techniques, hein, y a pas de problème, c'est mon taf. Je suis un petit peu comment ça se passe. Je sais que ça coûte très cher un GPU qui fait tourner très très vite les jeux, machin. Pas de problème. N'empêche que c'est pas ce qu'on avait dit. Ah oui, ouais, c'est pas ce qu'on avait dit. Voilà. Est-ce que c'est 30 FPS stable au moins? Très très bonne question, Nico. C'est ça qui va se poser derrière. Est-ce qu'on a 30 FPS du début à la fin? À ce moment-là, on peut s'y adapter. Ou est-ce que ça passe son temps à faire le yo-yo? Et là, ça devient très pénible. 30 FPS en quelle résolution? C'est aussi une excellente question. Malheureusement, il nous le dit pas. Il nous le dit pas, donc on sait pas. On sait pas, ça va être la surprise. On sait que ce qu'on appelle le target, la cible, c'est 30 images par seconde. Voilà. Donc, faites ce que vous voulez. C'est votre jeu, c'est votre console, c'est vous qui savez. Il n'y a pas de problème. Mais il fallait pas nous expliquer il y a 4 ans qu'en achetant la Xbox Series X, on allait avoir le top de la technologie, du machin, du truc, la console la plus puissante. Voilà des teraflops, on en mange au petit déjeuner, pour derrière nous expliquer que... Ouais, bon, mais c'est bon, ça va, c'est un jeu solo. C'est un jeu solo, 30 FPS. Bah si, ça va le faire. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. Après les rendus Blender, c'est cool. C'est le retour du coup à la City Skyline 2. Ouais, c'est ça, exactement, c'est City Skyline. Qui a besoin de 60 images par seconde? Non mais bien sûr, mais on peut aussi jouer à des tableaux Excel. 30 FPS en 8K parce que Microsoft a vendu la 8K comme tout le monde. Ouais, non mais c'est ça. Exactement. On peut aussi se passer du jeu. C'est encore une autre position, mais bon voilà. Après, ça veut pas dire que le jeu sera mauvais. Parce que je sais qu'il y a des défenseurs de Valve dans le chat. Je vous vois, je vous comprends. Je suis avec vous d'ailleurs. Je sais qu'il y en a. Je sais. Et moi, j'adore Obsidian. Les RPG Obsidian, vraiment, je les aime beaucoup. Donc je l'attends, hein, ce Valve. Hein. Il y a pas de souci. En plus, je vais probablement y jouer sur PC. Là, où la question se posera pas. Encore que j'ai pas un PC dernière gen. Donc si ça se trouve, moi aussi, je vais être calé à 30 FPS et j'aurai pas le choix. Mais je vous vois. Je suis avec vous. Mais voilà, je suis obligé de rappeler à Microsoft que c'est pas ce qu'on avait dit. Vraiment, c'est pas ce qu'on avait dit. Et le problème existe sur PS5, hein, les fans de Sony, là, je vous vois. Le problème, il existe aussi sur PS5. Un jour, hein, je taillerai le même costard à Sony pour la PS5, parce que chez eux aussi, c'est pas ce qu'on avait dit. Je suis désolé, mais voilà. À un moment donné, il faut dire les choses, quoi. Et voilà. Je comprends pas en 2024 que le FSR passe en 3.0, c'est franchement compliqué à mettre en place. C'est ça qui est étonnant, c'est que grâce à des technos comme le FSR, avec lesquels les consoles actuelles sont parfaitement compatibles, on ne devrait plus avoir ce genre de discussion. Exactement, c'était l'objectif de technos comme le FSR, on ne devrait plus avoir ce genre de discussion, mais on en a encore à dire que ton RPG, il va sortir en 2024 sur Xbox à 30 images par seconde. Mais bon. T'abuses, au Japon, ils sont très contents de Sony. Ah bah, ils peuvent au Japon, ils sont très contents de Sony, d'autant plus qu'ils vont payer la PS5 plus cher. Bon, bah, ça, c'est leur problème. Mais on en est déjà là, nous, de toute façon. Donc, Et voyez, je suis un peu plus coulant avec la Switch par rapport à ça, parce que bon, bah, la console approche des 10 ans, déjà, et quand elle est sortie à l'époque, elle était déjà à la ramasse, donc... C'est un autre problème. Je suis un peu plus coulant avec la Switch, puisque de toute façon, la Switch, elle est à la ramasse. On le sait. Les gens qui achètent la Switch aujourd'hui savent, hein, que la machine, elle est à la ramasse. Ils ne l'achètent pas pour les perfs. Donc, un jeu, il a des perfs dégueulasses sur Switch, ça, c'était un piège pour personne. Donc, à la limite, on sait où on met les pieds. Mais voilà, encore une fois, pour la Xbox, c'est pas ce qu'on avait dit. Le problème, c'est aussi les largesses de Jensen pour que les devs implémentent en priorité les technos de Nvidia. Mais je veux dire, chez Microsoft, ils ont fait le choix d'avoir un CPU AMD, un GPU AMD. Ils bossent avec AMD, ils sont partenaires d'AMD. AMD était un des sponsors de Starfield au lancement. Donc en théorie, on s'attend à ce qu'ils bossent main dans la main.
pour intégrer les dernières techno, pour avoir du FSR dernière génération, pour justement aller gratter pour avoir du frame generation, s'il faut, on s'en fout. Il y a déjà des jeux qui utilisent le frame generation sur console. Comment il s'appelle là l'autre qui a reçu une mise à jour pour activer ça? C'est possible, il y en a qui le font. Donc voir encore des développeurs qui nous expliquent que ton jeu il va tourner à 30 FPS parce qu'on peut pas faire autrement, ça commence à devenir inacceptable comme discours. Voilà, mais bon. Nintendo a pas vendu du 4K 60 FPS. Oui, voilà, exactement. Nintendo a jamais donné l'argument de la puissance pour sa console. Hein, donc, c'est plus difficile de leur reprocher d'avoir une machine à la traîne quand ils t'ont prévenu dès le départ que leur machine elle était à la traîne. Bon, ben voilà, ils te mentent pas, quoi. Donc bon, c'était juste pour lancer un débat de merde dans le chat parce que l'actu était un peu calme. J'en ai profité. Mais bon, il y a quand même une info derrière. Obsidian hein, vous informe, si vous jouez sur Xbox, que Avowed sera probablement calé à 30 images par seconde sur Xbox, si c'est important pour vous. Mais je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Ouais. Rappelle-toi les jeux CD Projekt qui sont sortis avec les techno Nvidia et des perfs dégueux sous AMD. Exact, c'est vrai, tout à fait. Il y a un patch qui est sorti peu de temps après la sortie du jeu pour améliorer les performances sur les CPU, pour améliorer l'hyper-threading sur les CPU AMD. Exact. Non, mais t'as raison. Mais Nvidia était partenaire hein, de CD Projekt au lancement du jeu. Hein. Ouais. Sur Switch, c'est pas les devs, plutôt les branleurs. Oui et non, j'ai envie de dire, le truc c'est que sur Switch, les devs ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont surtout. Il faut bien comprendre que la Switch, quand on dit qu'elle est à la ramasse, c'est pas une exagération. Elle est complètement obsolète d'un point de vue technique. Par rapport à un PC moderne, elle est vraiment complètement obsolète. Donc développer aujourd'hui un jeu sur Switch, ça revient à faire des concessions parfois. Donc les devs font vraiment ce qu'ils peuvent. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas des devs qui profitent de la situation et qui branlent le travail ou qui bâclent le travail. Mais il faut comprendre que quand CD Projekt porte The Witcher 3 sur Switch, techniquement, c'est une prouesse, quoi, parce que c'était pas censé être possible. Hein. Stalker Trilogy sur Switch, ça va être sport. Oh, ouais, non, clairement. Après oui, l'exemple de Pokémon sur Switch, ça c'est inacceptable. C'est vrai que Pokémon sur Switch est un bon exemple. Les derniers là, est un bon exemple de travail bâclé et là où c'est pas forcément la faute de la console. Bien sûr, il y a des exemples qui montrent que parfois les développeurs s'en foutent. Ça arrive. Enfin, ils s'en foutent ou en tout cas font du mauvais travail. Ça arrive. Mais Pokémon c'est inacceptable en général. C'est un autre débat ça. Je vais pas rentrer dedans du tout. Mais oui, il y a des exemples de travail bâclé sur Switch, ça arrive. Mais globalement, la Switch elle-même est une machine sur laquelle il n'est pas forcément évident de développer quand t'as pas beaucoup de mémoire, quand t'as un stockage qui est lent, quand t'as un CPU qui est obsolète. C'est-à-dire le CPU, c'est un Nvidia, hein, c'est un Tegra, et Nvidia eux-mêmes considèrent ce CPU comme obsolète. Donc ça oblige quand même à un certain nombre de concessions, quoi. Ce qui prouve le génie de Nintendo en termes d'investissement et de marketing. La force de la console, justement, c'est qu'elle ne s'est pas vendue sur ses performances techniques, contrairement à la Xbox et à la PlayStation. Elle ne s'est pas du tout vendue sur ses performances techniques puisqu'elle n'en avait pas. Elle s'est vendue sur la qualité de ses jeux. Elle s'est vendue sur son catalogue. Les jeux indés ont été très populaires sur Switch. Elle s'est vendue sur son usage. Une console portable que tu peux brancher sur une télé juste avec un dock, c'était super bien comme idée. Elle s'est vendue sur ce genre de choses. Ouais. Pas vraiment sur ses prouesses techniques. Il n'y en avait pas. Donc, ouais. Mais voilà, Zelda, après, c'est un excellent jeu. Qui joue à 30 FPS, en 720p, machin, mais c'est un excellent jeu. Mais après, il y a des concessions derrière qui sont faites pour que ce soit un excellent jeu sur Switch. Mais ouais. Je me suis bien plus amusé sur Switch que sur PS5. J'aurais presque tendance à dire la même chose, hein, Nathan. C'est vrai, hein, y a des jeux très, très sympas sur Switch. Ouais.
Nintendo a compris depuis longtemps que la course à la techno, c'était la ruine. Ouais, tout à fait. Depuis la GameCube, ils ont arrêté. Même encore avec la GameCube, ils le faisaient un peu. Moi, je me rappelle que la GameCube, les premières communications autour de la GameCube, c'était sur leur fameux CPU Gecko, qui était fabriqué par AMD. Et où ils faisaient des pubs de regarder à quel point il est petit, notre CPU Gecko, machin, il est super puissant quand même, etc. Mais après la GameCube, ils ont arrêté ce genre de communication, ouais. Il y a des jeux très sympas sur PS5, le seul problème c'est qu'il y en a 5 en tout et que la moitié d'entre eux sont également disponibles sur PC. C'est ça aussi le souci. Mais sinon, si vous avez une PS5, moi je vous recommande de faire Demon's Souls. Demon's Souls, pour moi, ça reste le meilleur jeu de la console à l'heure actuelle. Hein. Alors que c'est un jeu de lancement. Hein. C'est ça qui est un peu inquiétant quand même. J'avais hurlé de rire en voyant que la PS5 avait moins de titres que la Dreamcast 2 ans après son lancement. C'est terrible, hein, c'est terrible. Surtout un jeu PS3. Oui, alors il faut oublier le fait que c'est le remake d'un jeu PS3, effectivement. Mais en étant honnête, c'est un... Le jeu a 4 ans et ça reste... probablement le plus beau jeu de la console. Hein. C'est ça qui est impressionnant. C'est un jeu de lancement, il a 4 ans, c'est un des plus beaux jeux de la console, il est magnifique. Et puis bon, après, au-delà du fait que c'est un Souls, c'est un excellent jeu, quoi. Et c'est à peu près la seule raison d'acheter une PS5 aujourd'hui. Hein. Si t'as un PC en plus, on va pas se mentir, c'est pas loin d'être la seule raison d'acheter une PS5 aujourd'hui, quoi. Ce qui est terrible. C'est, quand il réfléchit 2 secondes, c'est vraiment terrible. Mais bon, voilà. Enfin bon, allez, assez parlé de débat de merde, avançons un petit peu. Parlons de Borderlands 4, si vous le voulez bien. Borderlands 4 qui a été annoncé en grande pompe lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom qu'on a regardé la semaine dernière. Hein. Pourquoi j'ai ce gif animé qui fout le bordel sur mon truc là? Mais j'en peux plus de Twitter. Hein. J'en peux plus de Twitter. Hein. Je suis fatigué. Hein. Je suis sincèrement fatigué, hein. J'en peux plus de ce réseau social de merde. Je vais fermer mon compte, hein. C'est pas possible. Salut Croutou. Je peux plus. Ça me fatigue, mais profondément quoi. Bref, reprenons nos esprits. Parlons de cette news quand même. Parlons de cette news, j'aime les Gigacha dans le slip, on le sait. Je suis en stream, je sais pas si je vais pas me faire bannir à cause de lui là. Franchement, je suis pas censé montrer des gens en slip moi. Bref, Ragnoul, merci pour les 5 euros sur Ko-fi, merci beaucoup pour le soutien. Je crois que l'alerte n'a pas fonctionné, si elle a fonctionné je l'ai pas vue. En tout cas merci pour tes 5 euros sur Ko-fi, ça fait super plaisir. Merci beaucoup pour le soutien. Il faut que je vérifie pourquoi l'alerte s'est pas affichée là quand même. J'ai désactivé les... Non, j'ai pas désactivé les Hard Coffee. Bah alors. Rafraîchis la source. Peut-être qu'elle va marcher. Attends. Non, bon, c'est pas... En tout cas, merci beaucoup. Commençons cette news, s'il vous plaît. On a des trucs à dire. Parlons donc de Borderlands 4. Borderlands 4 qui a été annoncé en grande pompe via un teaser en ouverture de la soirée de lancement de la Gamescom 2024 la semaine dernière. On avait regardé ça ensemble. Un petit détail dont on n'avait pas parlé jusque-là concernant Borderlands 4, c'est qu'il va sortir Day One sur Steam. Alors, ça n'a l'air de rien. Comme ça, on s'y attendait. C'est un jeu PC, évidemment, qui sort sur Steam, mais c'est pas si évident que ça. Parce que, rappelez-vous, revenons 5 ans en arrière, Borderlands 3 sort sur PC. Et au moment où Borderlands 3 sort sur PC, c'est une exclusivité de l'Epic Game Store. Puisque l'Epic Game Store, dans leur objectif de arrêter de regarder le mec en slip, s'il vous plaît. C'est pas la news. Arrêtez de regarder le mec en slip. Ça se passe ici, là. Là. Bon. Par pitié. Donc, Borderlands 3 était une exclue Epic Game Store et il se trouve qu'à l'époque, Randy Pitchford, le patron hein, de chez 2K qui a supervisé Borderlands 3, Randy Pitchford avait expliqué que
Steam, c'était un petit peu le passé, voilà, que c'était un petit peu sur le déclin, et il avait même prédit via ce tweet que vous voyez ici, ce tweet un petit peu moqueur, hein, qui justement revient sur cette situation. En 2019, à la sortie de Borderlands 3, Randy Pitchford avait expliqué sur Twitter que, je cite, hein, « Dans 5 ans, Steam sera une plateforme mourante. » Je cite, je paraphrase surtout, mais c'est un petit peu ce qu'il voulait dire. « D'ici 5 à 10 ans, Steam sera une plateforme mourante. » Sous-entendu, des concurrents comme l'Epic Game Store vont prendre le relais et vont devenir la principale plateforme de jeux vidéo sur PC. Alors nous, par rapport à ce tweet, on vient du futur, hein, on est en 2024, donc effectivement 5 ans après le tweet de Randy Pitchford qui nous prédisait que dans 5 ans, Steam allait commencer à mourir. Et si on regarde Steam, il n'est pas du tout mort, il n'est même pas du tout en train de mourir. Ça se passe pas trop mal actuellement pour Steam. Du coup, bon, bah, ça commence à se moquer un petit peu de lui en disant, bah dis donc, non seulement ta prédiction, elle s'est pas réalisée, mais en plus, on voit que Borderlands 4, qui vient d'être annoncé, il va sortir Day One sur Steam. Ça sera pas une exclue EGS comme le 3 l'avait été. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Randy ? Explique-nous, donne-nous des explications. Et ben, il se trouve que ben, Randy, il a répondu à ce tweet qui se moquait un petit peu de lui. Alors, on n'a plus le mec en slip, ça va mieux. Randy, il a répondu à ce tweet qui se moque un petit peu de lui, dans une longue, longue, longue réponse, dans laquelle il détaille un petit peu son point de vue, la manière dont son point de vue a évolué sur la question. Alors, on va pas lire le tweet en entier, parce que c'est beaucoup de ramble, hein, il répète beaucoup la même chose dedans, mais je vais vous en faire un petit résumé à base de citations. Donc, il explique, j'ai mes notes. Il explique que, si Epic Games avait bien joué ses cartes, ça aurait pu être le cas. Mais ça ne l'a pas été, bien sûr. Steam a fait très peu jusqu'à maintenant pour justifier ses prélèvements. On rappelle que Steam prend 30% de prélèvements sur les ventes de jeux et de produits sur sa plateforme, quand Epic Games ne prend que 12%, hein, aux développeurs. Donc, Steam fait très peu pour justifier ses prélèvements et sa position de monopole, pendant que les concurrents, avec un modèle plus avantageux pour les développeurs, continuent à se tirer une balle dans le pied. Il répète plusieurs fois la même chose, puis il continue en disant « Il y a une vraie opportunité de changer la distribution des jeux sur PC, mais personne ne semble y arriver. J'avais placé de grands espoirs dans Epic Games. » De grands espoirs, il avait fait de Borderlands 3 une exclusivité de l'Epic Game Store, hein, je le rappelle. J'avais placé de grands espoirs dans Epic Games, mais ils étaient peut-être déplacés et trop optimistes. À l'avenir, nous continuerons à distribuer sur Steam, mais je continue à espérer qu'Epic continue le combat et passe devant. Donc pour lui, sa prédiction, c'est pas réalisé, il a raconté un petit peu n'importe quoi, mais il continue de penser qu'Epic Games a le potentiel de créer une plateforme qui va surpasser Steam à l'avenir. Epic va devoir prioriser, donc là je reprends la citation, Epic va devoir prioriser sa boutique et tenter de nouvelles choses tout en continuant à signer des exclusivités. J'espère aussi voir d'autres concurrents viables arriver prochainement. Je sais pas à qui il pense quand il dit ça, mais voilà, lui, il pense toujours que le modèle de Steam, il est voué à l'échec et que ce n'est qu'une question de temps avant que soit Epic, soit un autre concurrent dont on n'a pas encore entendu parler, soit prêt à reprendre le flambeau en créant un modèle économique qui soit un peu plus avantageux pour les développeurs. C'était le gros gros argument d'Epic Games, hein, quand ils se sont lancés il y a environ 6 ans maintenant. Leur gros argument, c'était de dire, eh ben nous, on va faire quelque chose qui va être à l'avantage des studios, des développeurs, des éditeurs. On va leur prélever moins d'argent que ce que leur prélève Steam. Et rien que ça, ça va faire qu'on va pouvoir devenir une plateforme plus populaire que Steam. Alors, l'argument pour les développeurs, c'était ça, rue à dire. L'argument pour les joueurs, c'était « on va vous offrir des jeux gratuits ». Et ça fait 6 ans qu'ils offrent toutes les semaines des jeux gratuits aux gens. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un backlog énormissime à l'heure actuelle sur Epic Games sans avoir acheté un seul jeu. Et pas que des petits jeux indés, d'ailleurs. Hein. Parfois, c'est des gros trucs, hein, qui arrivent dessus. Je crois que cette semaine, le jeu offert, c'est The Callisto Protocol, quand même. Donc, voilà.
Donc oui, ils ont tout essayé hein, pour s'attirer les faveurs des développeurs, s'attirer les faveurs du public avec des jeux gratos, et ça prend toujours pas. Les gens ne lâchent pas Steam, ils continuent de préférer hein, Steam comme plateforme. Mais même les développeurs, en réalité, même les développeurs à qui on prend plus d'argent quand ils vendent un jeu sur Steam par rapport à Epic Games, ils continuent de préférer Steam à l'Epic Game Store. Et c'est quelque chose qu'Epic Games a du mal à contrer. Voilà, offrir des jeux aux gens ne suffit pas à leur faire abandonner Steam. Prendre moins d'argent, moins de prélèvements aux développeurs ne suffit pas non plus à leur faire abandonner Steam. Et ça, c'est le constat hein, que fait Randy Pitchford après sa prédiction un tout petit peu trop optimiste d'il y a 5 ans, en tout cas de son point de vue, qui était que voilà, on ne fait pas disparaître une plateforme de l'importance de Steam comme ça, quoi. Voilà. Je connais des gens qui ont des jeux gratuits Epic, mais qui ont racheté finalement le jeu sur Steam. C'est vrai, ça existe, ça, mais pourquoi ? Je veux comprendre. Pourquoi tu rachèterais sur Steam un jeu que tu as obtenu gratuitement sur Epic ? Expliquez-moi. Alors, les gens qui l'ont fait, je vais faire un sondage. Parce que je découvre cette pratique et je savais pas que c'était vrai. Je vais faire un sondage. Comment on appelle ça ? Avez-vous déjà acheté ? Je veux savoir, parce que là, ça m'étonne. Sachant que là, on parle d'un jeu que vous auriez obtenu sur le GS et que vous auriez après acheté sur une autre plateforme. Je veux savoir, parce que est-ce que ça concerne beaucoup de monde ? Parce que du coup, ça va... Attends, on va mettre 2 minutes, parce que 3, c'est peut-être un peu beaucoup. Hop, vous avez 2 minutes pour voter, je veux savoir. Parce que t'as oublié que tu l'avais sur Epic. Alors, je vais être parfaitement honnête avec vous. Ça m'est déjà arrivé d'acheter sur Steam des jeux dont j'étais pas au courant qu'ils étaient dans le Game Pass. Je l'ai pas super bien vécu quand ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé avec un jeu. Voilà, ça m'est arrivé avec un jeu. Genre, j'ai acheté le jeu sur Steam, je l'ai fait, je dis ah, il était très cool. Puis je lance mon Game Pass et je vois que le jeu est dans le catalogue. Et je me dis merde, je suis trop con. Mais ça m'est arrivé qu'une fois. Peut-être pour le multi, c'est plus facile pour trouver un ami qui n'est que sur Steam. Ça peut être une raison valable, effectivement. Ouais. Mon Dieu, mais vous êtes près de 50%. 40% répondent oui à cette question. Je découvre vraiment une pratique. Hein. Faut voir ça autrement, quand le jeu sortira du Game Pass, tu l'auras toujours. C'est vrai. C'est comme ça que je me suis consolé, hein, Java Hero, complètement. C'est vraiment comme ça que je me suis consolé. Mais bon, sur le coup, je l'avais mauvaise. J'aurais pu économiser 30 balles, tu vois. Steam supérieur de fou. Mais non, mais c'est intéressant, parce que ça colle parfaitement avec ce que disait Randy Pitchford, là. L'abandon de Steam au profit de l'Epic Game Store, c'est absolument pas une réalité. Pas chez les joueurs, en tout cas, visiblement, parce que... Voilà, vous êtes 40% à me dire que vous avez déjà racheté sur une autre plateforme un jeu que vous avez eu gratuitement sur le GS. Ce qui m'est... Voilà, ça m... je ne l'ai jamais fait moi, mais ça m'étonne. Mais ouais. Le modding, le crossplay, la friendlist. Ce sont des arguments, hein, vraiment. Hein, ouais. La charge mentale à vérifier chaque promo, solde, de vérifier si un jeu n'est pas sur le GS. J'avoue que Janissaire, ça m'arrive. Avant d'acheter un jeu... J'ouvre au moins 5 launchers pour savoir s'il n'est pas moins cher ailleurs, s'il n'est pas déjà sur un service où je suis abonné. Ça m'arrive. J'allume la PS5 pour savoir s'il n'est pas dans le PSN. Ouais, ça m'arrive. Pour moi, l'intérêt, c'est aussi de ne pas financer Fortnite. Ouais, vous êtes quand même 41% hein, à avoir déjà racheté. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi élevé. Je ne vais pas vous mentir. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi élevé. Vous êtes 41% à avoir déjà racheté sur une autre plateforme un jeu que vous avez sur le GS. C'est fou. J'aurais pas imaginé ça, mais ça colle parfaitement. Hein. Ça colle parfaitement avec ce qu'on est en train de voir, qui est que, beaucoup de gens, Randy Pitchford le premier, s'attendaient à ce que les gens lâchent complètement Steam
pour aller sur l'EGS qui offre des jeux gratuits, qui prélève moins d'argent aux développeurs, qui se présente sous les meilleurs auspices, mais les gens, les clients derrière, les gens qui payent, préfèrent encore rester sur Steam. Hein. J'ai déjà acheté un jeu sur l'EGS, moi aussi. J'ai déjà acheté des jeux sur l'EGS. J'ai acheté Control, parce qu'à l'époque, il était dispo que là-bas. Et j'ai acheté Outer Wilds, je crois, parce qu'à l'époque, il était dispo que là-bas, par exemple. Ouais. Je peux pas blairer Sweeney, donc l'EGS, c'est mort. Ouais, mais t'as un compte et tu chopes les jeux gratuits ou pas, du coup, Black? Dans la situation où t'es, parce que je peux comprendre, t'aimes pas les gens qui font tourner l'EGS, donc tu vas pas dessus. Mais est-ce que tu chopes les jeux gratuits ou pas? Ou est-ce que du coup, tu vas jusqu'au bout de ta logique et tu lances même pas le truc? T'as pas de compte, d'accord. J'ai acheté des jeux sur l'EGS, mais uniquement parce qu'avec un bon d'achat gratuit, c'était les moins chers. Ouais, ok. J'ai acheté un DLC de Darkest Dungeon 2 sur EGS parce que j'avais eu une version presse de l'Early Access. D'accord. Ouais. Oui, parfois, c'est juste plus pratique. Hein. J'ai acheté un seul jeu sur EGS que j'ai racheté sur Steam après qu'il soit sorti en promo. Mais pourquoi? Vous me surprendrez toujours. Hein. Vous me surprendrez toujours. C'était un débat sur une émission Canard PC. D'accord. D'accord. Ah, je découvre complètement cette pratique. J'avoue, je ne l'ai jamais fait, ça. De racheter ailleurs des jeux que j'avais. Quand j'ai un jeu sur l'EGS, j'y joue sur l'EGS, quoi. Mais... Ah, j'ai acheté Alan Wake 2 aussi sur l'EGS parce que j'avais pas le choix pour y jouer sur PC. J'avoue, à ce niveau-là, je suis un ormi, ouais. J'ai aussi pris le jeu symétrique SOS Phantom, car aussi que sur l'EGS. Ouais, en général, c'est pour ça. Hein. J'ai l'impression que globalement, si je refaisais un sondage, vous seriez une écrasante majorité à me dire que les jeux que vous avez achetés sur l'EGS, c'est parce qu'ils n'étaient pas dispo sur Steam. Hein. Je pense que là, pour le coup, je ne serais pas surpris. Parce que là, c'est mon cas aussi, et je pense que c'est le cas de la majorité des gens. C'est quand tu achètes un jeu sur l'EGS, c'est soit parce qu'il est sensiblement moins cher là-bas qu'ailleurs, soit parce qu'il n'est juste pas dispo ailleurs. Ouais. Ouais. Ça m'étonne pas pour le coup. Mais donc voilà, du coup là, Randy Pitchford s'est retrouvé un petit peu dans la sauce cette semaine suite à ses déclarations de Steam qui allait devenir une plateforme moribonde. Steam, il est pas du tout moribond, hein, pour le coup, mais il vit même plutôt très bien. Mais voilà, pareil pour GOG. J'achète très peu, ouais. Non, c'est pas le seul jeu. J'ai plein de jeux sur GOG, hein, c'est pas la question. Mais je crois que le seul jeu. La seule grosse production, le seul jeu que j'ai acheté sur GOG et pas. Enfin, que j'ai sur GOG et pas ailleurs, parce que je l'ai pas acheté, c'est Cyberpunk. Parce que la clé presse que j'ai reçue pour Cyberpunk, elle était sur GOG, en fait. Sinon, j'achète pas grand chose là-bas, c'est vrai. Cela étant, le fait que les jeux soient sans DRM sur GOG est un vrai argument, pour le coup. Ouais. T'as acheté RE2 hier sur GOG? Oui, ils viennent de sortir le RE2 classique, hein, c'est ça? Sur GOG, effectivement. Je lance jamais le GS parce que c'est pas du tout ergonomique. Ça, c'est clair. Ça a toujours été un problème de le... Ils ont amélioré un petit peu, il y a un panier maintenant. Vous vous rendez compte? Il y a un panier maintenant sur l'Epic Game Store. C'est fou, ça leur a pris 5 ans. Il y a un panier maintenant sur l'Epic Game Store. Ce qui est incroyable. Il faut se rendre compte. Mais ouais, c'est... L'enchaîne de GS, c'est un benchmark CPU presque. Hein. Ouais. Mais c'est toujours pas ça, hein, l'ergonomie de l'Epic Game Store. Hein. On est d'accord. L'entend privilégier GOG pour l'absence de DRM, mais maintenant que je suis passé sur Linux, je repasse sur Steam parce que c'est les seuls qui font un effort. Ça, je comprends. Ouais, bah oui, maintenant t'as Proton qui fait que utiliser Steam sur Linux, ça te facilite tellement la vie que ouais.
GS qui sait toujours pas détecter les jeux déjà présents quand tu réinstalles. Mais non, mais un truc tout bête. Un truc tout bête. Et je sais que vous avez ce problème. Pour les jeux EGS, juste savoir combien pèse un jeu actuellement installé sur ton SSD avec le GS, c'est une purge. Quand tu cliques maintenant sur un jeu Steam, c'est marqué à côté du nom du jeu combien il pèse. Sur le GS, c'est une purge. Tu sais pas combien pèse le jeu avant de l'installer. Tu sais pas combien pèse le jeu une fois qu'il est installé. Et surtout, tu peux pas. C'est hyper compliqué de trouver le chemin d'installation. Tu cliques sur le jeu et ça lance l'installation directement. Tu peux pas avoir une fiche qui te donne des détails avant de l'installer. C'est terrible. Je déteste ça. Ouais. C'est écrit dans ta bibliothèque sur la ligne du jeu une fois qu'il est installé, peut-être qu'ils ont changé ça. Par contre, savoir combien il pèse avant de l'installer, c'est toujours pas possible. C'est-à-dire que si tu veux, s'il reste que 50 gigas sur ton SSD et que tu veux savoir si le jeu pèse 60 avant de cliquer, ben tu peux pas, je crois. Hein. Franchement, je crois que tu peux pas. Hein. C'est marqué maintenant? Ok. J'utilise pas assez souvent le GS. Mais ouais, c'est vous dire un peu la situation dans laquelle on est. Bon, l'Epic Game Store veut devenir le nouveau Steam. Mais comme le dit Randy Pitchford maintenant, hein, ils font pas les efforts pour ça aussi. Ça propage des fake news. C'était un vrai problème avant. Maintenant, je reconnais que j'utilise pas assez souvent le GS pour traquer toutes les mises à jour et les améliorations d'ergonomie qu'ils font, etc. Mais cette histoire de « tu peux pas savoir combien de jeux pèsent avant de cliquer et qu'il l'installe tout seul », c'était un vrai problème au début. Hein. On est tellement bien dans nos petits chaussons Steam. Complètement. C'est confortable. C'est confortable, Steam. Oui, c'est le premier launcher que tu lances quand t'allumes ton PC et que tu veux faire un jeu. Tu penses presque pas aux autres, c'est vrai. Hein. Il y a même des reviews maintenant, ça j'ai vu, ouais. Ouais. Il reprend une gorgée après la fake news. Allez. Bref, l'Epic Game Store n'est pour l'instant certainement pas en passe de devenir le remplaçant de Steam sur vos PC, à tel point que j'ai découvert avec cette news que vous êtes plus d'un tiers des gens, presque la moitié des gens sur ce chat à avoir déjà acheté sur une autre plateforme un jeu que vous possédiez déjà sur le GS. Étonnant, mais vrai. En tout cas, Randy Pitchford fait lui aussi cette amère réalisation que il avait tort il y a 5 ans. Quand il expliquait que Steam allait devenir une plateforme moribonde à cause du succès foudroyant de l'Epic Game Store. Bref, avançons un petit peu, parlons de Foam Stars. Foam Stars, c'est un petit peu le jeu qui avait été qualifié de Splatoon de la PlayStation. Pour vous donner une idée de quoi on parle, il s'agit d'un shooter multi dispo sur PS4 et PS5, sorti au début de l'année, non ? Ou à la fin de l'année dernière, non, sorti en février dernier sur les consoles de Sony, et qui était... Ah oui, il est sorti, hein. Là, tu l'as peut-être pas remarqué, mais il est sorti. Et tu l'as peut-être pas remarqué parce qu'il est sorti que sur PlayStation. Si t'as pas de PlayStation, t'as dû passer à côté. Cela étant, il est sorti sur PS4 et PS5 au prix de 30€, prix fixé par Square Enix, qui non seulement demandait 30€, hein, aux gens... Mais oui, il est sorti. Les amis, enfin. Oui, il est sorti depuis février dernier. Et il n'était pas gratuit. Non, il coûtait 30€. Mais non seulement il coûtait 30€, il avait la douille classique des jeux en ligne sur console, ce qui était qu'il fallait payer un abonnement au PlayStation Plus pour pouvoir jouer en ligne avec vos amis, puisque bon, bah, c'est un jeu en ligne. Hein. Y a pas tellement, si vous achetez Foam Star et que vous n'avez pas l'abonnement PS Plus, vous avez acheté un jeu qui vous sert à rien, quoi. Concrètement, faut payer l'abonnement derrière, mais tout ça va changer puisque Square Enix explique que Foam Stars va passer en free-to-play dès le mois d'octobre prochain. Le changement est prévu pour le 4 octobre et c'est pas le seul changement qui va arriver puisque non seulement vous n'aurez plus besoin de payer pour accéder à Foam Stars sur votre PlayStation, mais la nécessité de disposer d'un abonnement PlayStation Plus pour jouer en ligne va également être levée, ce qui signifie que le jeu devient essentiellement gratuit, totalement gratuit.
pour les gens qui voudraient l'essayer. Ce changement va avoir lieu à partir du 4 octobre prochain. Square Enix, qui distribue le jeu sur PlayStation, le jeu est une exclusivité, hein, PS4 et PS5, mais Square Enix qui distribue le jeu ne donne pas vraiment les raisons de ce changement à venir. C'est pas le premier jeu, pour être très clair, qui connaît un lancement sur une version payante et puis qui passe un peu plus tard en free-to-play. Un bon exemple de ça, c'est Destiny 2, par exemple. Destiny 2, qui est sorti comme un jeu payant, puis qui est passé au fur et à mesure en free-to-play. Désormais, vous pouvez jouer gratuitement à Destiny 2 et avoir une expérience qui se rapproche un petit peu de ça. Team Fortress 2 a fait ça aussi. Bon, il y en a d'autres. Dans le cas spécifique de Foam Stars, c'est un peu particulier parce qu'il peut y avoir plein de raisons, bien sûr, hein, qui font que vous passez votre jeu en free-to-play après quelques temps. Dans le cas de Destiny 2, ça a été un succès. Dans le cas de Team Fortress 2, on n'en parle même pas. Dans le cas de Foam Stars, c'est probablement un petit peu plus compliqué parce que là, le jeu va passer free-to-play quelque chose comme 6 mois après son... un peu plus de 6 mois après sa sortie, ce qui semble fortement indiquer que le jeu n'a pas été le succès espéré par Square Enix et que donc, dans une tentative de sauver un petit peu le jeu, qui est sorti, oui, il est sorti, ah, je vous jure, ça se voit pas, mais il est dispo. Ah, il est dispo maintenant, là, depuis février dernier même. Ah, si. Mais dans une tentative de sauver un petit peu les meubles, Square Enix va donc changer un petit peu le modèle économique et espérer qu'en rendant le jeu gratuit, les gens vont peut-être déjà se rendre compte qu'il est sorti, parce qu'apparemment l'info n'est pas passée. Donc je vous le répète, hein, il est sorti. Et ensuite, y jouer. Hein. Voilà, je crois que là, ils en sont là, hein, chez Square Enix. Ils disent, écoutez, des fois que vous ayez loupé l'info, on a sorti un jeu multi sur PlayStation, et en plus, là, à la rentrée, il va être gratuit. Donc s'il vous plaît, jouez-y. Jouez-y, c'est gratuit, jouez-y, quoi. On vous le donne, Littéralement, on vous le donne. Essayez de faire une partie, peut-être que ça va vous plaire, et peut-être que, voilà, peut-être qu'on va essayer de sauver les meubles comme ça, ce qui pourrait attendre, hein, l'avenir de Foam Stars. Suite à ça, ça pourrait être un débranchement des serveurs suite à un nouvel échec éventuel de ce passage en free-to-play, mais on ne sait jamais. Peut-être que le jeu va connaître une nouvelle vie, ou une vie tout court, suite à ce passage gratuit. Il est sur PS5, il est sur PS5, il est sur PS4, il est sorti en février dernier. Il coûte actuellement 30€, mais là, pour le coup, je vous recommande pas de les payer, puisque d'ici un mois et quelques, il va être gratuit. Voilà, hein. Ils ont qu'à faire comme Overwatch et sortir un 2. Ben c'est un petit peu ce qui s'est passé effectivement avec Overwatch. Le premier Overwatch était un jeu payant à l'achat, avec un modèle économique un petit peu hybride, parce que tu payais le jeu et derrière t'avais des lootbox que tu pouvais t'acheter, des trucs comme ça. Overwatch 2, ils ont décidé de faire disparaître Overwatch premier du nom et de mettre à jour chez tout le monde Overwatch vers la version 2 qui, elle, était free-to-play. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ce qui s'est passé, hein, avec Overwatch, pour le coup. Que sur PS5? Non, je crois qu'il est aussi sorti sur PS4, hein, Foam Stars. Ouais. Et il passe en free-to-play sur les deux plateformes, hein, pour autant que je sache. Donc, voilà. Bref. Je reviens sur un de mes vieux serpents de mer, mais franchement, que ce soit Concorde ou Foam Stars, aucun des deux n'a eu de réelle couverture Twitch, contrairement à d'autres jeux. Ouais, le jeu secret de Valve a eu une meilleure couverture sur Steam que Foam Stars ou Concorde, effectivement. Ouais. Il va être gratuit, ouais, mais ta commu va le racheter sur Steam. Ils vont trouver un moyen. Et oui, par contre, il est que sur console Sony. C'est une exclusivité PlayStation, hein. Ouais, c'est une exclusivité PlayStation. Alors, je sais pas s'il prévoit de le porter sur PC en même temps, hein. Vu qu'il sera free to play, j'en sais rien. C'est peut-être dans les tuyaux, hein, pour Square Enix. En attendant, l'urgence pour eux, là, c'était de trouver un moyen pour que les gens s'intéressent au jeu, visiblement. Deadlock avait plus de joueurs avant que ce soit streamable. C'est un mystère, hein, ce jeu, hein, à tous les titres. Hein. C'est un mystère, ce truc. Hein. Ouais. Bref, assez pour Foam Stars. Avançons un petit peu. Je m'adresse, pour le coup, au weeb sur de mon chat. Les trois personnes, là, au fond de la salle, qui lisent Naruto en cachette.
qui attendait avec impatience la sortie du RPG Blue Protocol en Europe. Bon ben j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ça n'arrivera pas. Voilà. Bandai Namco vient d'annoncer que non seulement Blue Protocol, un jeu qui était sorti l'année dernière et dont on attendait une arrivée en Occident depuis un moment quand même, Blue Protocol n'arrivera pas en Occident, mais en plus, ils ont décidé de débrancher complètement les serveurs au Japon, seul territoire où le jeu était disponible. Visiblement, le jeu a été un échec, là aussi. Et plutôt que de prendre la direction de Square Enix et de dire « Oh, vous voulez pas y jouer ? Allez, c'est gratuit. On verra si cette fois ça passe. » Là, non. La stratégie de Bandai Namco, c'est de dire « On débranche tout, on sort pas le jeu aux États-Unis, on sort pas le jeu en Europe. » Et les Japonais n'ont que jusqu'au 18 janvier, je crois, prochain, pour terminer ce qu'ils avaient à faire dans le jeu, parce qu'après ça, on débranche aussi les serveurs. Blue Protocol, c'est terminé. C'était un projet commun, Blue Protocol, entre Bandai Namco et Amazon Games. Voilà, c'est ça, c'est Amazon qui doit être content, parce que Amazon, eux, ils étaient tout fiers de dire qu'ils avaient fourni l'infrastructure à Bandai Namco pour faire leur jeu en ligne, là. Amazon, ils sentent, ça fait un moment qu'ils essaient de s'implanter durablement dans le monde du jeu vidéo, donc ils signent avec des gros éditeurs pour soit éditer des jeux eux-mêmes, soit pour leur fournir l'architecture réseau, puisqu'on rappelle qu'Amazon, ce n'est pas qu'une plateforme, ce n'est pas qu'un marketplace, sur laquelle il y a beaucoup de dropshipping d'ailleurs, c'est également une infrastructure réseau. Ils vendent leurs services pour les services web, pour les sites web, pour les jeux vidéo désormais aussi, et ils essaient de trouver des clients. Et la meilleure manière pour eux de trouver des clients, c'est de signer des accords avec des gros éditeurs pour faire tourner leurs jeux sur leur plateforme, pour pouvoir dire ensuite, regardez, tel jeu qui tourne sur les plateformes Amazon est un énorme succès, et donc venez chez nous. Microsoft le fait aussi avec Azure, hein, ils sont un petit peu concurrents sur ce sujet. Du coup, effectivement, ceux qui doivent un petit peu mal le vivre, c'est Amazon, là, parce qu'ils espéraient beaucoup que le jeu marche pour pouvoir faire leur propre pub derrière. Ça, c'est pas gagné. En tout cas, Blue Protocol, on en avait vu pas mal de trailers, notamment lors des Game Awards, je crois, fin 2023, peu de temps après le lancement du jeu au Japon, où justement, aux Game Awards, on nous promettait que le jeu arrivait en 2024 en Occident, que ça y est, vous allez pouvoir y jouer, vous aussi, tout ça. Et bon, c'est mort. Voilà, je suis désolé, il n'y aura pas de Blue Protocol chez nous, et il n'y aura d'ailleurs bientôt plus de Blue Protocol au Japon, début 2025. Voilà. Azure assure aussi le back-office de Xbox et le PlayStation. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a pas mal de jeux qui tournent sur Microsoft Azure aujourd'hui. Ouais. Au moins, Amazon n'a pas payé un soutien sur plusieurs mois. Le jeu a été géré par Bandai Namco au Japon, pas par Amazon, c'est vrai. Et il sortira jamais ailleurs, donc c'est une perte minime. Financièrement, on va dire, pour Amazon, bien sûr, mais c'est aussi c'est surtout un manque à gagner pour eux, en réalité. Ils comptaient vraiment beaucoup sur ce jeu. Rappelez-vous du trailer qu'on avait vu, je crois qu'on l'avait vu au Game Awards, où le logo Amazon était partout. Ils étaient super fiers de dire qu'ils avaient aidé le projet à exister, quoi. Donc, ça les emmerde que du coup, ça sorte pas chez nous, quoi. Mais bon, et c'est la réalité du marché, que voulez-vous que je vous dise. Ils ont d'autres projets en cours, Amazon Games, de toute façon, hein. C'était pas Titanfall qui utilisait Azure. Je me rappelle pas, mais c'est possible. C'est fort possible. Ouais. Attends, mais peut-être que ouais, même. Parce que le premier Titanfall, c'était une exclue Microsoft. Et donc, il est fort possible que les serveurs tournaient sur Azure. Ça, oui. Sea of Thieves, par exemple, utilise Azure. Sea of Thieves, c'est un jeu exclusivement online. Il utilise Azure pour ses serveurs. Et d'ailleurs, ils en ont fait la pub au début parce que les serveurs Azure pour Sea of Thieves gèrent toute la physique de l'eau, gèrent la physique des bateaux, gèrent à peu près toute la physique du monde qui n'est pas gérée côté console, mais côté serveur, justement, grâce à Microsoft Azure. Donc, d'un point de vue technique, ils en avaient quand même pas mal parlé de leur techno. Hein. Au final, un mois après la sortie, l'été 2023, les joueurs japonais crachaient déjà sur le jeu et plus personne n'y joue depuis des mois. Mais c'est ça. C'est de toute manière, ils le sortent pas ici et ils le débranchent là-bas parce qu'il a floppé total au Japon. Hein, donc, ouais.
Enfin bon, avançons, passons à la news suivante. Parlons d'un tout petit tunnel licenciement avant de passer au trailer, puisqu'on a appris cette semaine que Visual Concepts avait procédé la semaine dernière, visiblement, ou en tout cas au début de... Non, la semaine dernière, avait procédé à des licenciements dans ses équipes. Ce n'est pas la première fois que Visual Concepts licencie dans ses équipes. C'est un studio qui travaille sur des jeux 2K notamment, qui est responsable, entre autres choses, de Lego 2K Drive. Et on avait déjà parlé d'eux en février dernier, puisqu'ils avaient déjà licencié en février dernier. Cette fois-ci, ils licencient un nombre inconnu de personnes, puisque malheureusement, comme c'est trop souvent le cas dans ces studios-là, on n'a pas de communication de la part de Visual Concepts pour savoir combien de personnes sont licenciées, dans quel département, pour quelles raisons, ce que ça signifie pour la suite, etc. Donc, pas de communication de Visual Concepts. Cela étant, on l'a appris, malheureusement, comme souvent, par les personnes licenciées elles-mêmes, soit via des posts sur les réseaux sociaux, soit via des communications avec la presse. On sait que des artistes 3D ont été licenciés, que visiblement, ce serait la majorité des personnes licenciées, d'ailleurs. mais voilà, pas beaucoup plus d'infos à ce sujet, donc pas de bilan du nombre de personnes à rajouter, déjà plusieurs milliers de personnes licenciées ces deux dernières années dans l'industrie, mais ça rentre encore dans cette logique-là. Et comme je le disais, Visual Concepts South, pour le coup, avait déjà licencié en février dernier. Donc voilà. Pas assez d'infos pour épiloguer plus que ça sur le sujet, mais sachez que ça licencie encore un petit peu aux États-Unis. Le gros est déjà passé. Comme je l'avais dit, la plupart des licenciements ont eu lieu avant la clôture des exercices fiscaux. Ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas été touchés jusque-là étaient nécessairement à l'abri. Donc ça continue. Bref, il ne nous reste plus, mesdames, messieurs, il est 20h, il ne nous reste plus qu'à passer au trailer. Après, je vous libère. Après, je vous libère. On a trois trailers très rapides pour vous cette semaine. Attendez une seconde. Je reprends mes notes. Mes notes sont là. Et on va commencer, évidemment, par de la baston. Je vous laisse avec le trailer de Capcom Fighting Collection volume 2. C'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. On va regarder un peu de Beugard, je vous récupère juste après, et on discute de tout ça ensemble. De la Stomba, tout à fait. Mais évidemment, mais c'est le cœur de la chaîne. C'est le cœur de la chaîne. Que voulez-vous que je vous dise ? Allez, à tout de suite. Peggy 16. Yeah, come on, everybody come alive real quick. Battle of the strong, survival of the fit. Take your best shot, hope you don't miss. Never quitting is the motto. Yeah, come on, everybody come alive real quick. Battle of the strong, survival of the fit. Take your best shot, hope you don't miss. A new challenger is among us. They can take it high, you can take it much farther. Fast with the hands, eat Honda. Defend my legacy with strength and honor.
Hop là, voilà, allez, hop. Normalement, ça joue en boucle, ça joue en boucle. Je remets ma musique. Et c'était le trailer de Capcom Fighting Collection volume 2 qui fait suite donc au volume 1, bien sûr. Avec tout plein de jeux, cette fois-ci particulièrement centrés sur les crossovers entre SNK et Capcom, puisque rappelez-vous qu'à la grande époque, l'âge d'or, comme on l'appelait, des jeux de combat, les deux principaux concurrents dans ce domaine qui étaient SNK et Capcom ont sorti plusieurs jeux ensemble qui mélangeaient les personnages des deux, même des plusieurs licences que chacun possédait. Donc on va retrouver, alors attendez, j'ai la liste complète des jeux dans mes notes. Il faut que je ressorte ça. Donc, liste complète des jeux. On a Capcom versus SNK Millennium Fight 2000 Pro. Je vais dire les noms complets. Hein. Pas le choix. Capcom versus SNK 2 Mark of the Millennium 2001. Capcom Fighting Evolution, qui est un jeu complètement pourri, mais il a le mérite d'être là. Street Fighter Alpha 3 Upper. Project Justice, qu'on connaît chez nous sous le nom de Rival Schools 2. Power Stone, Power Stone 2. Et Plasma Sword, Nightmare of the Blistein, je crois, mais on le connaît chez nous, sous le nom de Star Gladiator 2. Donc, il y a un petit peu de tout, il y a à boire et à manger. Rival School 2, c'est une excellente nouvelle parce que le jeu est lui-même excellent. CVS 2, c'est une excellente nouvelle parce que le jeu est lui-même excellent. Street Fighter Alpha 3, c'est un excellent jeu. Enfin bref, voilà, il y a à faire. Alors c'est une compile qui sera pas dispo tout de suite, par contre elle est annoncée pour début 2025 si j'ai bien lu le communiqué de Capcom. sachant que, comme d'habitude, il va se choper le traitement hein, des compilations qu'on a habituellement, donc avec un nouveau netcode pour le online sur chaque jeu, avec un mode entraînement, avec des rooms en ligne sur lesquels vous pouvez inviter vos potes, avec des artworks, avec des bonus, avec tout plein de trucs à l'intérieur, enfin bref, il y a de quoi faire. Ça sera dispo début 2025, je ne crois pas qu'il y ait de date. Attendez une seconde. Non, ça c'est pour le arcade classique, on s'en fout. Non, ça c'est vraiment annoncé pour début 2025. Il n'y a pour l'instant pas de date de sortie précise. Sauf si je l'ai loupé dans le communiqué, mais je ne crois pas. Bref, voilà pour la baston. La 3D était laide, c'était celle du début. Ouais, mais voilà, elle a son charme du coup. Elle a son charme, c'est comme les jeux PS1, là, il y a des gens qui vont dire « ouais, c'est moche, machin », c'était le charme de l'époque. C'est un peu comme les gens qui rematent des films en noir et blanc, parce que c'était le charme de l'époque, voilà. C'est la nostalgie, hein, que voulez-vous. Bref, avançons un petit peu. Trailer suivant, c'est le trailer de Shadow of the Road, un autre jeu pour les weebs sûrs de mon chat. Ça, c'est pour vous. Voilà, c'est le Japon. Je suis japonais d'homo, tout ça, tout ça. Je vous laisse avec le trailer de Shadow of the Road, avec du samouraï, avec des assassins, avec des trucs comme ça. Je vous récupère dans 1 minute et 15 secondes. On en discute juste après. À tout de suite. When I was a child, I often sneaked out of the village. I envisioned myself traversing the mists of the forests and the eerie silences of ancient ruins, where every path tells a tale. I knew little about the world and the unpredictable paths it leads us down. In these uneasy times, dangers lurk in the shadows, ever ready to test our resolve. Hop, je vais couper le son là, c'est bon. Ça s'appelle donc Shadow of the Road et ça se passe au Japon au 19e siècle. Pardon, une seconde, je ressors mes notes. Voilà donc, on est sur du tactical RPG, c'est dommage. Enfin, c'est dommage.
J'ai rien contre les tactical RPG, au contraire. Mais quand j'ai vu le trailer, les premières images m'ont beaucoup fait penser à Tenchu et je me suis dit « Oh là là, ce serait cool, on dirait Tenchu, j'aimerais bien qu'on nous refasse un Tenchu. » Ça vous manque pas, Tenchu ? Mais je sais pas, moi ça me manque. Moi personnellement, ça me manque. J'ai rejoué à Sekiro, mais ça n'a rien à voir avec Tenchu. J'ai envie de revoir un jeu comme Tenchu. J'ai envie de rejouer à Tenchu, en vrai. Mais en plus moderne. Tenchu Farsi, par exemple, exactement. Mais bref. Ouais, mais Splinter Cell, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas assez weeb. Moi, je veux vraiment du... Ouais, moi, Tenchu, ça me manque de ouf. Bref, c'est pas Tenchu. On est sur du tactical RPG, mais on va quand même avoir des gens qu'on empale sur son épée. On va quand même avoir des bombes qui font de la fumée et on disparaît dedans. On va aussi avoir des décapitations. Écoutez, c'est le Japon féodal. Hein, voilà. Tenchu avec un traitement à la Demon's Souls, je serais trop heureux. Je serais vraiment trop heureux. Mais bon. En tout cas, voilà. Ça n'a pas de date de sortie pour l'instant. Il n'y a pas de démo. Quelqu'un demandait sur le chat. Malheureusement, il n'y a pas de démo. J'aurais bien testé une démo. En tout cas, la page Steam n'informe pas de l'existence d'une démo. Donc, je présume que du coup, il n'y en a pas. Ça n'a pas encore de date de sortie. Ça se wishlist, si jamais ça vous intéresse. Et on en reparlera très probablement un peu plus en détail quand il y aura un peu plus de détails. Les mecs du Japon féodal aussi, ouais, oui, un petit peu. Regardez, on dirait Tenchu, là. Je me suis dit, putain, ils ont refait Tenchu, c'est trop bien, mais non. Non, c'est juste de l'animation et le reste, c'est du tactical. Bref, allez, dernier trailer. Celui-ci, bah écoutez, il m'a bien fait rire. Il m'a bien fait rire, il a l'air sympa, je vous le mets. Ça paye pas de mine, c'est de la bagnole. Voilà, c'est de la bagnole, c'est du vroom vroom. Du vroom vroom avec un petit peu de violence. Je vous laisse avec le trailer de Fatal Run 2089. Même le titre, il ferait presque cliché. Je vous récupère dans 52 secondes, c'est très court, clignez pas des yeux. Et on discute de ça ensemble juste après. A tout de suite. Voilà, hop, c'est bon, je remets ma musique à moi. Donc, c'était le trailer de Fatal Run 2089. Et si ça m'a fait rigoler de voir ce trailer dans mes listes, il y a une petite référence, je ne sais pas si vous l'avez chopé au début du trailer, c'est parce que ça ne se voit pas trop en regardant les images, hein, forcément, on dirait pas comme ça, mais ce jeu est un remake. Et c'est un remake d'un jeu sorti sur Atari 2600. Voilà. Donc, on vient de faire un énorme grand écart hein, entre les années 80 et aujourd'hui. Mais c'est un remake d'un jeu sorti sur Atari 2600. Alors, il y a un petit peu plus de couleurs, hein, forcément, qu'à l'époque. Mais voilà, donc forcément, c'est Atari hein, qui édite. Voilà, ils sont à la manœuvre là-dessus. C'est développé par un studio qui s'appelle Monster Studio. Alors, MNSTR Studio, mais j'imagine que ça se prononce Monster Studio. Ça n'a pas de date de sortie. Attendez, si ça en a une, je l'ai loupé. À la fin. Non, ça n'a pas de date de sortie pour l'instant. C'est déterminé, enfin, c'est en coming soon. Donc voilà, ça se wishlist sur Steam si ça vous intéresse et on est voilà sur du jeu de bagnole un petit peu à la Vigilante 8. J'ai vu pas mal de références de ce dont ça s'inspirait. Effectivement, il y a un petit peu du Vigilante 8 là dedans, il y a un petit peu du Road Rash, il y a un petit peu des trucs comme ça, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça se wishlist sur Steam. Ça sortira également sur console à une date qui n'a pas encore été déterminée. Et voilà, et sur ce magnifique trailer plein de couleurs et de voitures qui font vroom vroom, nous concluons ce Hot Tech du 28 août 2024. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que ça vous, que voilà, que ça vous a intéressé. Et si jamais vous avez rattrapé cette émission sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre la cloche, n'oubliez pas de... Vous connaissez, hein ? Voilà, laissez des commentaires, je vous embrasse très fort, je vous kiffe, vous êtes les meilleurs, et je vous dis à la prochaine. Bam bam.